Alors aujourd'hui, nous allons avoir un culte particulier, donc nous allons faire la Sainte Cène et les offrandes après. Nous allons engager un temps de prière, un temps d'enseignement et un temps de prière de délivrance. Alors élevons la voix et commence déjà à dire merci à Dieu. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es en vie. Nous sommes le 31 décembre. Et Dieu t'a donné la respiration et le souffle de vie. Ce n'est pas un acquis. Rana shata rane kato pare nasi rana shatu ke parane skaparatito. Father, we don't know how to pray. Nous ne savons pas comment il faut prier. Nous reconnaissons notre incapacité totale. Mais nous voulons te dire que ce matin-là, Père, nous nous attendons à toi. Viens accomplir l'agenda que tu as préparé pour ce matin. Viens accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. Avant cela, viens manifester ta domination en nous. Viens nous délivrer de tout ce qui nous dominait. Viens nous délivrer de tout ce qui nous limitait. Viens nous délivrer de tout ce qui nous bloquait. Viens nous délivrer conformément à ta parole de tous ces bagages excessifs qui doivent être débarqués aujourd'hui. Avant minuit, on ne traverse pas avec les bagages de 2023. Abba Père, viens par ta parole, viens par ton esprit, viens par ta parole exécuter les jugements de ta volonté. Viens libérer, relâcher et forcer le malin, l'ennemi, à lâcher les dimensions de nos vies qu'il continuait de garder en s'entêtant. Viens juger les esprits de résistance. Viens juger les ennemis invisibles qui molestaient, retenaient ton peuple dans la captivité. Père, viens faire parler le sang. Ah, maranosh kata, haya, ay paranesh kata baroto sakata parane ta parane. Oh, ranesh kaparina shkaparina. Oh, reke mando bregana dos kata lenambare natos sakapara. Oh, viens par ta parole, selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Abba Père, viens guérir par ta parole. Tu envoyas ta parole et elle les fit échapper de la fosse. Que ta parole vienne et faire sortir des sépulcres, des fosses, des tombeaux, des marmites, des calebasses, des prisons, des souterrains mystiques, là où on avait enfermé les destinées. Que par ta parole, les prisonniers soient renvoyés libres ce matin. Oh, Kanebrashkela, Rane, Kaparo, Kotops, Kabarena, Ape, Barane, Shkata, Rane, Katus, Kamare, viens accomplir ton agenda infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous. Rane chato ki brana ketosa. Prakane broko parane chatadika. Ibrano chata ki mane kato rane chatale marena.
Yes, Lord. Esprit de Dieu, règne. Règne. Assieds ta domination. Spirit of God, reign, reign, reign in my life. Spirit, reign, reign, reign. Spirit of God, reign, reign, reign in my life. Spirit, reign. Rain, rain. Oh mon frère, ma soeur, souviens-toi. Quand tu es en train de dire Spirit of God, rain. Tu es en train de dire, tu n'es pas en train de chanter, tu es en train de dire que personne ne se rende maître de moi, esprit, âme et corps, en dehors de l'esprit du Créateur. Cette parole est puissante. Je veux que tu mesures ce que tu dis. Je veux que tu pèses le poids de tes mots. Je veux que tu pèses le poids de ta soif. Que tu pèses le poids de ta ferveur. Que tu pèses le poids de ta foi. Oh, c'est le genre de prière que Dieu aime. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors ce chant est en accord avec la volonté du Père, avec les desseins du Père pour toi, avec l'agenda du Père pour toi. Rane chaka, rane chaka, rane. Oh, prake chane, rane chakibara. Ye pranika. In my life, Spirit, reign, reign. Spirit of God, Spirit of God, reign, reign. Ne me laisse pas être partagé. Les cohabitations de 2023 s'arrêtent aujourd'hui. 2024, je marcherai dans la présence d'un seul, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. 2024, tu marcheras escorté, rempli à l'intérieur, escorté à l'extérieur par un seul. On l'appelle le Saint-Esprit. Spirit of God, in my life. Spirit, Spirit of God, Spirit of God, esclave d'aucun autre que toi, prisonnier de l'amour, prisonnier de la bonté, prisonnier de la douceur, prisonnier de la foi, prisonnier de la sainteté, c'est ça que je serai, prisonnier de la bienveillance, prisonnier de l'audace, prisonnier du courage, prisonnier de Christ, lié par l'Esprit. Que toutes les autres chaînes, toutes les autres prisons, toutes les autres étreintes qui étaient associées à ma vie, la prison de rejet, la prison de la méchanceté, la prison de la peur, la prison de la débauche, la prison de l'impureté, la prison de la rébellion, la prison de la mort prématurée, la prison des maladies chroniques, la prison des échecs générationnels, la prison de la pauvreté, que ces prisons soient saccagées aujourd'hui. Abba Père, prenez chaque capare. In my life, Spirit, reign, reign. Arrade chaka parandeka. Oh, je veux que tu élèves la voix. Tu dis, ah, Seigneur, c'est toi. Je veux un seul maître. Je veux être prisonnier d'un seul.
parce que tu n'as pas d'autre choix que d'être un prisonnier. Il est écrit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'être humain n'a pas été créé pour être indépendant, mon frère, ma soeur. Il a été créé pour être prisonnier. Mais au commencement, j'étais censé être prisonnier, c'est-à-dire être dépendant, c'est-à-dire être connecté au Saint-Esprit, au Créateur, à Elohim. In my life, Spirit, reign. Spirit of God, reign, reign, reign. In my life, Spirit, reign, reign. Esprit de Dieu, reign, reign. Dans ma vie, Esprit, que ton règne vienne. Esclave d'un seul, oh, plus de cohabitation. J'ai longtemps cohabité avec la méchanceté, la cruauté. J'ai longtemps fait cohabiter l'amertume et l'amour. J'ai longtemps fait cohabiter la peur et la foi. J'ai longtemps fait cohabiter la sainteté et l'impureté. Mais la Bible dit que nul ne peut être esclave de deux maîtres en même temps. Il doit choisir. Soit il honore l'un et méprise l'autre. Soit il aime l'un et il haït l'autre. J'ai fait mon choix. Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu as fait ton choix? Spirit, Esprit de Dieu, j'ai fait mon choix. Voilà pourquoi je l'exprime par mon chant. Je l'exprime par ma supplication. Ne laisse personne d'autre mettre sa main sur mon frère et ma soeur. Ne laisse personne d'autre résister. Ne laisse personne d'autre. Père, aujourd'hui, les résistances sataniques, les résistances visibles et invisibles, tout ce qui était caché, Père, expose-le avant minuit. Avant minuit, ce que le Père n'a pas planté sera arraché. Ce que le Père n'a pas créé sera démoli, détruit, renversé, et lui anéant. Père, viens faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous, que les esprits de limitation, les esprits de pauvreté, les esprits d'impureté, les esprits d'inceste, les esprits de dépression, les esprits d'enfoutement, les esprits de sorcellerie, tout ce qui avait attaché quelqu'un, les esprits de mort subite, les esprits de mort prématurée, les esprits de maladie chronique, tout ce qui avait attaché ton peuple. Que leur bras ce soir, leur bras ce matin, Père, Arata, soit broyé, soit brisé, soit démoli, soit cassé, soit écrasé. Ma Père, par notre mélodie, par notre prière, par notre supplication, nous invitons un seul règne. On l'appelle le règne de Dieu par le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Oh, Arakama, Ishale Kaprana, auprès de, viens me relâcher de ce que je ne connaissais pas ou que je connaissais, mais qui voulait me retenir, qui disait non, tu restes là, non, tu restes là. Abba Père, viens juger les bras des méchants. Viens juger les bras des méchants. Viens relâcher les otages. Oh, parane shakata parena toke para. Erane kaparane shadia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, dans ma vie, esprit, âme, corps, pensée, désir, émotion, sentiment, volonté, destinée, foyer, enfant, famille, mariage, travail, finance, tout ce qui me concerne. Je t'en prie,
je t'en prie, ne me laisse plus vivre dans la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Délivre une personne qui est venue ce matin déterminée, une personne connectée au son de la voix de ton serviteur, qui dit j'en ai marre de la cohabitation, j'en ai marre des mêmes cycles de malédiction, de limitation, qui retient la destinée des rachetés. Ah, ma père, justice, justice, Dieu de justice, Dieu de vengeance, Dieu de justice, Dieu de vengeance, Dieu de vengeance, Dieu de justice. Nous plaçons une demande pour le culte de ce matin. Nous plaçons une requête devant la cour céleste de justice, afin que le carnage, afin que les blocages, afin que les souffrances, afin que les infirmités, afin que les limitations cessent, 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 s'arrêtent, 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 s'arrêtent. Nous plaçons une demande devant le trône de jugement, devant le trône de justice. Nous plaçons une demande de la part de Jésus-Christ, afin, Père, que les hautains, les résistants, les bloqueurs, les saboteurs soient jugés, soient broyés, soient réduits à néant. Aujourd'hui, exerce tes jugements. Aujourd'hui, envoie ta parole. Aujourd'hui, libère les prisonniers. Aujourd'hui, ouvre les yeux des aveugles. Aujourd'hui, envoie libre les harcelés, les tourmentés, les épuisés, les fatigués, les molestés. Ils ne veulent pas du diable. Ils ne veulent pas de l'héritage hérité de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas. Il y a un peuple nombreux. Ils ne veulent pas la débauche. Ils ne veulent pas l'amertume. Ils ne veulent pas les divorces chroniques. Ils ne veulent pas le célibat forcé. Il y a des gens qui en ont marre. Ils ne veulent pas ces maladies. Ils ne veulent pas ces mauvais cœurs, cette cruauté. Mais elle leur est imposée parce qu'ils subissent une dictature, une tyrannie. Ce soir, ce matin, viens mettre un terme à la tyrannie du diable. Juste juge, juste juge, juste juge. Viens faire parler la voix du sang de notre grand frère. Viens parler. Ce matin, nous te prions. Esprit de Dieu, viens faire parler le sang dans ma vie, esprit. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, ah, si c'est ta prière, si c'est ta prière, si c'est ton désir, alors exprime-le à travers des acclamations. Exprime ta ferveur à celui qui a entendu ta prière. Exprime ta ferveur à celui qui répond à tes supplications. Exprime ta ferveur à celui qui a décidé de descendre par sa parole, de descendre par son esprit. Il a décidé de descendre par le Saint-Esprit et par la parole pour exécuter les supplications de ton cœur. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen. À celui qui entend la voix de ma supplication. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Yes, Lord. Saint-Esprit, Esprit de Seigneurie,
esprit de souveraineté, esprit de domination. Nous te remercions, nous t'honorons. Nous voici, nous attendons à toi. Alors envoie la parole que tu as prévue, comme tu l'as prévue, et confirme la parole comme tu le fais toujours. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à toutes nos églises connectées ce matin. D'où que vous soyez, vous êtes véritablement les bienvenus en ce culte spécial. C'est un culte spécial de Sainte-Seine et spécial délivrance. Quelqu'un dit Amen. Alors vous pouvez vous asseoir parce que l'Esprit m'a donné une parole, un enseignement, et puis après on va prier. La parole est indispensable parce que la parole prépare les cœurs, la parole produit la foi. La parole réveille ta conscience de la vérité. Les gens, pouvez vous asseoir pour l'instant. Si tu es là, tu dis Amen. Avant de nous préparer pour ce soir, je voudrais vous dire que je voudrais vous demander ce soir, entre cet après-midi, après le culte et ce soir, autant que possible, prends le temps, prends au moins 30 minutes de rendez-vous avec toi-même. Et tu vas sur le site internet, c'est quoi le site? Mes vœux. Mes vœux 2000, je ne sais pas c'est quoi le site. Oui, la nuit de la traversée. Prends le temps d'écrire. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Il y a une fiche avec des objectifs. Prends le temps d'écrire quelque chose. Afin qu'au moins dès demain, tu donnes une trajectoire à ta vie. Même quand Dieu délivre, délivrer, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est briser tout bras invisible qui te retient, qui t'empêche d'aller. Ce bras, en vérité, pour beaucoup d'entre nous, il est déjà brisé. Mais je viens de parler de ces choses que tu ne connais pas. Parce que parfois, tu sais ce qui a été brisé, le reste, tu ne sais pas. Tout ce qui est invisible, Dieu va le mettre à nu, il va le casser. Mais une fois qu'il a fait, il faut quand même que maintenant tu ailles quelque part. Faire sortir quelqu'un de prison, c'est bien. Mais ici, il n'a pas de direction. Il va stagner, croyant qu'il est toujours lié, alors qu'en fait, les chaînes ont été brisées. Voilà pourquoi je te demande, s'il te plaît, prends le temps. Donnez-moi le site, mettez-le à l'écran. Prends le temps de prendre rendez-vous avec toi-même et de travailler. De t'isoler, travailler. Écris, qu'est-ce que tu veux devenir, accomplir, obtenir. Amen. Prends le temps de faire ça. Et on va présenter ça, ce sont les vœux que tu fais à Dieu. Et on va les présenter à minuit dans la prière. Amen. Le Seigneur m'a donné une parole ce matin. Prépare-toi à triompher en 2024. Grâce au cri du sang de Jésus. Le sang de Jésus, tu vas comprendre, va parler aujourd'hui. Alors, nous bénissons Dieu parce que Dieu a tellement fait déjà. Si tu es là où tu es déjà, mon frère, ça veut dire que Dieu a déjà tellement fait. Le nombre de choses visibles et invisibles dont il t'a délivré, il t'a protégé, il t'a préservé, nous sommes déjà tellement reconnaissants. Seigneur, béni soit ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour ton bras fort, pour ta main étendue. Béni soit ton nom. Et tu nous as fait finir l'année en apothéose dans la présence de Dieu. Avec les 21 plus 1 ou plus 2. Et après les 21 plus 1 ou plus 2, tu nous as amenés dans les nuits du Saint-Esprit où tu as continué de chauffer l'autel, de continuer de consumer, de délivrer, de détruire les joutes, d'ôter les fardeaux, d'incommoder les choses qui étaient cachées, les esprits cachés qui étaient en train de combattre ta destinée. Ils ont pris feu. Mais tout doit lâcher aujourd'hui. Comme dit le pasteur Yves, il y a trois sortes de miracles. Il y a des miracles instantanés, il y a des miracles différés, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est quand ils dorment le lendemain ou deux jours après qu'ils voient la manifestation. Et puis il y a les miracles qui ne... Tu vois, comme pasteur Mathieu parle de 24-hour miracle, ça veut dire que
Il y en a qui le voient en 24 heures. Il y en a, c'est dans quelques temps, mais ça va se passer aussi en 24 heures. C'est ce qu'on appelle un miracle différé. Et puis il y en a, c'est des miracles progressifs. C'est lorsque Dieu est en train de restaurer progressivement. Mais tu sens et tu sais qu'il y a un progrès, qu'il y a un progrès. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train. Tu sens que tu es en train de te bonifier. Tu sens que les chaînes sont tombées. Mais tu sens que toi, tu es en train de relever progressivement la tête au fur et à mesure que ton âme est en train d'être restaurée, que ta foi est en train d'être affermie, parce qu'il y a des choses qui sont tellement extraordinaires que ta foi a besoin de croire et ta foi a besoin d'accompagner la dynamique. Et aujourd'hui, tu vas rentrer dans la catégorie de l'un des trois miracles. Alors aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu. Il a tellement fait, c'est vrai. Il y a eu des centaines de témoignages de vie transformée, c'est vrai. Mais ce matin, l'Esprit m'a donné un fardeau, une parole pour encourager et rassurer les personnes. Alors, ça va te rassurer toi qui es dans les cas des situations qui ont l'air humainement impossibles. Et ça va te préparer toi pour le jour où tu seras confronté, malgré les instruments que tu as vus. La vie est un cheminement, la vie est un chemin. Et la vie est aussi une bataille. Si tout va bien aujourd'hui, réjouis-toi. Mais il y a des temps qui viendront où toi aussi tu risques d'être confronté à des combats, à des luttes, à des adversités. Des types de combats, des types d'adversités où tu ne comprends pas. Tu as engagé le jeûne, tu as engagé la prière, tu as engagé le sang, tu as engagé le feu, mais tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque et qui résiste. Il y en a, c'est ton cas aujourd'hui. Il y en a, c'est pas ton cas. Mais s'il te plaît, garde le message. Si tu es là, tu dis amen. Je suis venu te dire que si tu es dans le cas de ces situations qui semblent désespérées, inamovibles, impossibles, ce genre de situation où on dit que ça sent déjà mauvais, je suis venu te dire que par la seule grâce de Dieu, l'ennemi va lâcher totalement. J'ai dit, il va lâcher ta vie, il va lâcher ta famille, il va lâcher ta santé, il va lâcher ta destinée, il va lâcher tes finances, il va lâcher ton succès, il va lâcher ton mariage, il va lâcher ton héritage, il va lâcher. J'ai dit, il va lâcher, Brana, Obrakanaji Katabare. Il va lâcher. Mais avant qu'il ne lâche, tu dois comprendre qu'il ne va pas lâcher parce que je n'en peux plus. Il ne va pas lâcher. Je ne comprends pas. J'ai prié. Non, mon frère. Je ne comprends plus. Non. Il ne va pas lâcher parce que tu vas te lamenter, toi pitoyer, en avoir assez. Parce que tu dois comprendre qu'est-ce qui va l'emmener à lâcher. Et c'est de ça que je vais te parler. Parce que tu dois connaître ce qu'on appelle les règles d'engagement. J'ai dit, il va lâcher. Assez, c'est assez. Il va lâcher. Si tu es là, tu dis amen. Je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu sais, dans la vie, là, les batailles, les combats. Est-ce que quelqu'un comprend quand je parle de bataille? Est-ce que quelqu'un comprend quand je parle de choses? Tu sens que tu as envie d'avancer. Il y en a, ils n'ont pas envie. Mais toi, tu as envie, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu veux avancer, mais quelque chose te dit non. C'est comme si quand tu dis, tu es à nous. Tu dis non, je ne veux pas. Tu veux la sainteté, la débauche. Tu dis, on te voit encore des pensées cochonnes. Tu veux aimer, mais à chaque fois, un océan d'amertume rejaillit en toi. Tu veux honorer. Et l'esprit de rébellion, plus tu veux faire le bien, plus tu sens le mal s'attache à toi et ne veut pas te lâcher. Je t'annonce, et il va lâcher. Il va lâcher. Tu vas lâcher. Esprit de sorcellerie, tu vas lâcher. Rana Shatane Barasko. Paranesh Katubelia. La plupart des combats coriaces, la plupart de ces batailles auxquelles on est parfois confronté, on a l'impression qu'il ne veut pas lâcher. Malgré tout ce qu'on a engagé, la plupart de ces combats
sont provoquées par des hommes forts. Par deux sortes d'hommes forts. Soit tu as des esprits familiaux, ils sont établis sur la famille de génération en génération. Soit par des esprits territoriaux, ils ne sont pas sur la famille, mais ils sont sur le territoire. Et ils ont déclaré que rien ne va changer dans le territoire. La pauvreté restera la pauvreté, l'inceste restera la norme, la dépression restera la norme, la cruauté restera la norme, la violence restera la norme. Il y a des entités sur le territoire. C'est ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Et quand tu viens sur le territoire, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, ils vont tout faire pour t'imposer leur dictature. Ils s'en fichent de qui tu es. Ils disent, ici, nous sommes les gardiens du territoire. Et ces gardiens du territoire s'appuient très souvent sur les iniquités de nos ancêtres qui leur ont donné le pouvoir, qui ont passé des alliances, qui ont fait des pactes, qui ont scellé des alliances. Ils sont sur les familles et ils sont sur les régions. Ils sont sur les nations, ils sont sur des villes, des quartiers. Et ils ont dit, ici, là, c'est nous. Personne ne viendra. Personne. Et quand tu rentres dans le territoire, j'ai vu des gens, je vais vous raconter, j'ai vu une sœur, elle est sortie de la semaine royale en feu. Elle est retournée dans son pays. Elle me dit, je suis retournée, soudainement, c'est comme si des pestes ténèbres se sont abattues sur moi. Une lourdeur terrible, alors que je suis venue joyeuse. Pourquoi ? Les esprits du territoire ont dit ici, il n'y a pas de lumière. Donc ils ont commencé à la harceler, à l'oppresser, elle ne savait pas quoi faire. Et puis elle était en train de faiblir. Je lui ai dit, va, engage, retire-toi. Prends 3 jours. Je lui ai payé l'hôtel. J'ai dit, prends 3 jours à l'hôtel. Et je vais te dire ce qui va se passer. Pendant que tu vas prendre les 3 jours à l'hôtel, les 36 premières heures, 1 jour et demi, tu risques d'être déprimé. Parce que la première journée, tu passeras ton temps à dormir. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Tu veux prier. Tu veux prier. Et si tu n'as pas la connaissance, tu vas culpabiliser. Ne culpabilise pas. Ne t'inquiète pas. C'est parce qu'ils sont là. Ils ont dit, ici, il n'y a pas de lumière. Ta lumière, on va l'éteindre. Donc, toi, tu commences à prier et tu as l'impression que des pièces de ténèbres sont en train de recouvrir la chambre, la maison, l'appartement, l'hôtel où tu es. Ne t'inquiète pas. Prie comme tu peux. Essaie de faire 1 heure, x 3. Et si tu n'y arrives pas, si tu t'endors, ne t'inquiète pas. Mais n'abandonne pas. Ne dis pas, oh là, ça ne marche pas. Non. Reste. Demeure. Et après 36 heures, à partir de 1 jour et demi, tu vas voir que maintenant, il y a une inversion qui est en train de s'opérer et que ton esprit maintenant est en train de prendre l'ascendant et tu vas sentir que le rapport de force a changé et que ton homme intérieur, à force de gémir, ne culpabilise pas, dors, mais dès que tu te réveilles, gémis devant Dieu, appelle Dieu, ne prie pas pour le mariage, le travail, demande à Dieu, Dieu, ne demande pas à Dieu les choses parce que l'esprit de lourdeur va t'asphyxier. Quand tu veux briser le joug de la lourdeur, commence à demander à Dieu. Dieu seul. Ne demande rien d'autre. Ne demande rien d'autre. Baissez le volume, s'il vous plaît. Rane katouskeba, le volume du piano baisse. Si tu es là, tu dis amen. Donc, la plupart des oppositions ne viennent pas de toi. Ta vie, tu le sais, n'a pas commencé avec toi. Ton sang là à toute une histoire. C'est pourquoi les personnes qui ne savent pas, ne connaissent pas leur famille, et les personnes qui ne connaissent pas leur histoire, l'arbre généalogique, les personnes qui ne connaissent pas, ce n'est pas impossible, mais c'est souvent difficile. Parce que c'est souvent plus difficile, parce qu'il y a des combats qui sont associés pas à ta personne, mais à ton sang. Et c'est pour ça que c'est bon de connaître l'histoire familiale. Pas parce que ça te limite, mais juste parce que parfois ça te permet d'identifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui est en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Parce que si tu connaissais tes frères, tes soeurs, si tu ne les connais pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas indispensable. Mais si tu les connais, ça va juste te permettre de te rendre compte que... Parce que des fois, tu penses que tu es la seule personne à traverser ce que tu traverses. Et quand tu vas regarder dans the bloodline, la lignée sanguine, alors tu vas voir que eux, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. À tel âge, c'est comme ça. Et ça va t'instruire. Mais ce n'est pas indispensable. Mais ça aide.
Mettons ça en toute une histoire. Il n'a pas commencé avec toi. Et la plupart de tes combats sont le résultat des oppositions de ces deux catégories d'esprits. Les esprits familiaux et les esprits territoriaux. Mais je vois la grâce venir sur toi. Parce que tu vois, la grâce se transmet. La grâce se transfère. Ma femme, dans sa famille, aucune femme, soit elle ne s'est pas mariée, soit elle n'est pas restée dans le mariage. Elle est la seule. Elle est la seule. Si tu vois la famille du pasteur Jacques, le pasteur Jacques, tous ses frères et ses sœurs sont morts. Très tôt. Emportés. Il y a des réalités. Il est le seul resté survivant. Toute sa famille était décimée. Toute sa famille était combattue. Et lui aussi, il était combattu. Et lui aussi, les esprits territoriaux, familiaux, on n'en a rien à faire de ton titre. Et déjà, on ne sort pas. Tu veux sortir? Tu vas nous trouver sur ta route. On ne sort pas. Il a été combattu. Je me rappelle, en 2018, un PJ. Quand on a eu 3 jours de jeûne à sec, après les 21 jours de décembre, en mars, il y a eu 3 jours de jeûne à sec. Et pendant les 3 jours, l'Esprit m'a dit, annonce, vous tous qui tenez les âmes en otage, qui ne voulez pas lâcher, votre délai c'est le 31 mars. Après le 31 mars, c'est fini. Je vous exhorte par les compassions de Christ, lâchez prise. Il y a toujours des entités. Et puis, après le 31 mars, un de mes pasteurs arrive. Il y a telle personne de ma famille qui pratique la sorcellerie. Pasteur, il vient de mourir. Mais le témoignage qui m'a le plus touché, c'est le pasteur Jacques. Le 1er avril, il me dit, c'est ton cousin ou ton neveu? Le cousin. Un cousin, mais un méchant, un inique. Mais il ne veut pas se repentir. Il veut continuer de harceler mon bro, mon grand frère, le PJ. Il continue d'harceler ses enfants. Il continue des combats. Toujours des combats. Le 1er avril 2018, le pasteur Jacques m'appelle. Il me dit, c'est incroyable. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mon cousin, on vient de m'annoncer sa mort. Paranoshkata Rane Abapé. Tout ce qui contrarie, retient, bloque ton héritage, Père, va lâcher aujourd'hui. Des sentences vont sortir du trône aujourd'hui. Des tonnerres vont sortir du trône aujourd'hui. Des éclairs, c'était des lumières, vont sortir du trône aujourd'hui. Pour dévoiler les choses cachées, des voix vont sortir du trône aujourd'hui. Ça seront les instructions, les commandements qui vont sortir de la bouche de Dieu et qui vont aller t'adresser à tout ce qui retenait ton héritage. Père, nous te rendons d'avance grâce de ce que tout ce qui retenait ton peuple et qui disait non, je vais t'accompagner en 2024, va lâcher, céder, craquer aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, les ennemis visibles et invisibles, les esprits impurs, les autels qui te combattaient, les esprits de débauche, les esprits de mensonge, les esprits de manipulation, les esprits de colère, les esprits de mort, tout ce qui combattait ta marche avec Dieu ne t'accompagnera pas en 2024. Ça va céder, la digue va lâcher. Aujourd'hui, Rande Shata Kaprato Kita Rande Prande Oprakata Sande Kata. Ah, Bapé. C'est toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter aujourd'hui. Assez, c'est assez. Dans le cœur de Dieu, assez, c'est assez. Ton destin doit parler. Assez, les boulots instables, c'est fini. Dès qu'une porte semble s'ouvrir, brusquement elle se ferme et
Tu avais déjà même annoncé la bonne nouvelle et tu vas m'obliger de revenir, finalement ça n'a pas marché. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Quelqu'un s'intéresse à toi, il veut cheminer avec toi. Et pour une raison totalement inexpliquée, il avait dit qu'il est intéressé. Et quand tu dis oui, je ne dis pas non, soudainement, quelqu'un vient le visiter la nuit. On vient le combattre, on vient l'oppresser. On vient lui passer un message. Petit, cette là, cet homme-là, cette femme-là, pas touche. Et tu ne comprends pas pourquoi, soudainement, tu es pris par soit l'aversion, soit le dégoût, soit la peur, soit le découragement, soit... En tout cas, tu fais marche arrière. Pourquoi? Une voix s'est mise devant la sœur. C'est-à-dire, une voix s'est mise devant le frère. Toi, tu penses que physiquement, tu vois la personne. Mais invisible, il y a quelqu'un qui dit... Elle est à nous. Ce géant tombe aujourd'hui. Je répète, je n'aime pas ton amen. Alors je te donne une autre belle occasion. Il tombe aujourd'hui. Il y a des réalités. Une de mes filles m'explique qu'elle a... Il y a quelqu'un au travail. Et ça, c'est beaucoup de gens. Mais tu ne comprends pas les réalités spirituelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné. Tu invites quelqu'un à l'église, il ne vient pas. Le jour où il doit venir, il a toujours quelque chose pour le perturber, le défocaliser. Et toi, tu penses que non, vraiment, il s'assoit qu'il n'est pas intéressé, je laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber. Il y a des réalités invisibles. Il y a des batailles invisibles. Une de mes filles m'annonce qu'elle parle de Jésus à un collègue. Et le collègue est intéressé. Et la même nuit, quand elle dort, la même nuit, pas demain, pas le lendemain, pas la même nuit, quand elle dort, elle voit une personne géante qui vient se dresser devant elle avec un corps de sirène. Et qui lui dit, il est à nous, tu ne le touches pas. J'ai juste parlé de Jésus. Est-ce que ça t'intéresse de venir à l'église? Mais j'ai juste parlé de Jésus. Et puis elle me dit que la personne quand elle a, qui était grande de taille quand elle est apparue, il y a d'autres qui sont alignés en même temps qu'elle pour dresser une haie de blocage juste pour le salut d'une seule personne, juste parce que je voulais inviter quelqu'un à l'église. Et la voix lui a dit, tu ne le touches pas avec un ton menaçant. Dieu merci, elle connaît son identité, elle n'a pas été effrayée. Le joug de la peur sur ta vie est tombé au nom de Jésus. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités. Ne pense pas que les gens sont de mauvaise foi. Les gens sont combattus. Il y a des hommes forts. Il y a des esprits familiaux. Ils ont dit, elle, on nous l'a consacrée. Toi, tu veux quoi? Tu veux te marier avec elle? Et comme malgré tout, tu essaies de forcer le mariage, maintenant tu subis ce qu'on appelle les réclamations. Tes émotions maintenant sont mélangées. Tes émotions sont dans la confusion. Quelqu'un que tu aimes, tu le vois, tu as envie de le tuer. Tu le vois, tes yeux commencent à tourner indirect, une panthère. C'est pas toi. Il y a des réalités. Avant que tu viennes au monde, ton sang a toute une histoire. Luc chapitre 11, chapitre 11, versets 21 à 22. Mankato sebele. Pendant ce culte-là, je te demande de prier en esprit. De ne pas juste écouter. Je te donne une parole pour t'expliquer où on va, mais je prépare ton esprit. Ranash kato parade. Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort, tu as entendu? Fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et le mate et le maîtrise et l'assujettit, alors il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Le mot dépouille signifie les armes et les biens de valeur saisis par cet homme fort. Il distribue les biens et les armes et les biens de valeur saisis par cet homme fort. Donc les hommes forts saisissent des biens, des armes et des objets
des choses de valeur. Ils tiennent la destinée. Ils tiennent les fécondités. Ils tiennent l'intelligence. Oh, mes pères, nous te rendons grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hégémonie, de la dictature, de l'emprise de ces hommes forts sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Et ces hommes forts s'appuient sur des pactes, ils s'appuient sur des alliances. Voilà pourquoi, et le Seigneur dit qu'ils sont forts et ils sont armés. Voilà pourquoi même quand tu es sous la dictature d'un homme fort, d'un esprit familial ou d'un esprit territorial, même quand tu vas consulter les marabouts, il y a des hommes forts pour lesquels aucun marabout ne pourra t'aider. Quand il est dans la famille depuis plusieurs générations, tu perds ton temps en allant consulter des devins, des marabouts, des astrologues, des cartomanciens. Tu perds ton temps parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. Ils peuvent te dire, on voit tel problème, mais ils ne pourront jamais résoudre les problèmes. Parce que l'esprit qui est sur la famille là, il est là depuis longtemps et il a un droit légal d'être là parce qu'il s'appuie sur des alliances. Voilà pourquoi ils sont résistants. Voilà pourquoi ils sont difficiles, plus difficiles que les autres à chasser. Tu peux chasser l'esprit de peur, tu peux chasser l'esprit d'impuissance. Tout dépend de quel style, lui, comment il est arrivé. S'il est arrivé uniquement par la vue, l'oreille, tu vois, les cinq sens, hein, c'est-à-dire qu'à force de regarder des scènes pornographiques, il est rentré, ça va le chasser rapidement. Mais quand il est là, c'est un gardien dans la famille et qu'il a contrôlé tes frères, tes soeurs, tes pères, tes aunts, tes pères, tes mères, tes oncles et tes tantes, lui, il va opposer une plus grande résistance. Voilà pourquoi quand tu veux le dégager, tu vas réaliser que même ta prière, parfois, ça ne marche pas. Voilà pourquoi quand tu dois prier une fois, j'ai fait 21 jours, une fois, 21 jours, deux fois, 21 jours, trois fois, mais c'est toujours là, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas qu'une question de prière, il faut prier avec l'intelligence et la compréhension des règles d'engagement. Ce genre d'esprit, il y a des entités qui ne se chassent pas. Même parfois, le jeûne et la prière ne suffisent pas. Mais ce n'est pas parce qu'il résiste qu'il va rester. Non, il va lâcher. Maintenant, pour les contraindre à lâcher, tu dois comprendre les règles d'engagement, je reviens dessus, et tu dois bien connaître, pas seulement l'art de la prière, mais tu dois connaître le droit divin. Tu dois connaître ce qu'on appelle la notion de justice, ou encore tu dois connaître comment opère le monde invisible. Dans le monde invisible, ce n'est pas parce que tu n'en peux plus que ton cas est relâché. Ce n'est pas parce que tu es épuisé, pas parce que tu es malade que tu obtiens la guérison. Tu dois connaître les règles d'engagement et comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas un monde désordonné. Le monde spirituel, ce n'est pas la loi du plus fort. Non. Dans le monde spirituel, il y a des principes, il y a une notion. De la même manière que sur la terre, les hommes ont essayé de mettre en place une cour de justice internationale. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, il y a également des lois spirituelles. Il y a également une notion de justice. Satan n'opère pas en désordre et Dieu non plus. Et tu ne peux pas. Il y a des pays où il y a l'anarchie. Ok, tu as mis quelqu'un locataire de ta maison et puis s'il ne paie pas le loyer, tu viens et tu lui dis, je te fais sortir de force. Mais là où il y a une justice, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de force juste parce qu'il est dans ta maison. Non, il y a des règles d'engagement. Tu dois obtenir une ordonnance du tribunal. Parce que sinon, tout ce que tu as fait là, non seulement c'est toi qui finis par être condamné et en plus ton expulsion est sans effet. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde invisible fonctionne avec une notion de droit divin, de justice divine, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Donc tu pries, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce que tu t'appuies sur la justice divine? Est-ce que tu as compris? Et là, la plupart des chrétiens sont désavantagés parce qu'ils ne connaissent pas le droit divin. Le droit divin est contenu dans les Écritures. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, va s'appuyer que sur la prière, mon frère. La prière ne suit pas. Voilà, elle suit pas parce que voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 43, verset 26, que tu connais.
viens et plaidant. Faut plaider. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Viens et plaidant. Faut plaider. Faut présenter ton cas. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Prouve que tu es innocent. Tu vas t'appuyer sur quoi? J'ai rien fait. Oh mon frère, j'ai rien fait. Ça ne veut pas dire que tu es innocent. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Quand Adam a fait, tu as fait. Tu étais en lui. Tu ne peux pas t'appuyer sur j'ai rien fait. Si tu es là, tu dis amen. Donc, dans le monde invisible, ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut. C'est la justice. Quelqu'un est là et dit amen. Est-ce que tu es là? Quand Adam a péché, Dieu ne pouvait pas, même si Dieu est plus grand, plus fort, plus puissant, il est le créateur, Satan est la créature. Dès lors que l'homme a péché, il y a des lois. Dieu ne peut pas aller récupérer Adam, sauver l'espèce humaine en disant à Satan, ok, tu t'es emparé d'eux, je viens les récupérer. Comme je suis plus fort, tiens, prends ça, boum, il ne peut pas. Si Dieu fait ça, il transgresse sa propre justice. Parce qu'il a fait en sorte que l'univers, le ciel et la terre soient régis par des lois. Et parmi ces lois, la première dit, Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? La première dit que, en te livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Autrement dit, celui à qui tu obéis détermine celui dont tu te rends esclave. Donc, quand Adam a obéi à Satan, Adam est devenu prisonnier de Satan. Le diable l'a eu par la ruse, oui, mais c'était légal. Quand quelqu'un t'a vendu quelque chose, même s'il t'a entubé, quand la transaction a eu lieu, elle a eu lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, mais il ne m'a pas dit toute la vérité. Mais tu aurais dû m'y enquêter. J'ai acheté la voiture, je ne savais pas que les frais ne marchaient pas. Tu aurais dû vérifier que les frais marchaient. Tu as acheté en l'état, tu as signé, la transaction est scellée. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si on t'a piégé, le diable l'a eu par la ruse, mais il l'a eu. Et c'était légal. Donc, Dieu ne peut pas venir récupérer l'espèce humaine par la force. Non! Parce qu'il y a des lois. Et Dieu respecte les lois qu'il a établies. Adam s'est livré volontairement. Il a été piégé, mais il est devenu esclave. Dieu ne peut pas venir le prendre par la force. Non. Si tu me suis, tu dis amen. Deuxièmement, le diable ne s'empare pas de... C'est une loi. Le diable ne s'empare pas de la destinée des gens par la force. Non. Le diable s'empare des gens par la ruse. Comment? Il est l'accusateur. Pour s'emparer de quelqu'un, il doit avoir le droit de posséder la personne. Il doit avoir le droit de bloquer la personne. Et il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur son rôle de procureur. Il s'appuie sur soit les iniquités des pères qui ont livré les enfants. Soit tu s'appuies sur tes propres péchés. Il a deux armes. Mes péchés, nos péchés et les iniquités de nos pères. Mais je n'ai pas à cœur de développer ça maintenant. Si tu es là, tu dis seulement amen. Si tu es là, tu dis amen. Apocalypse chapitre 2, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Si ce sur quoi les esprits méchants s'appuient pour t'accuser, si c'est effectif en ce qui te concerne, il a le droit de t'accuser. Et même quand Dieu t'aime, même quand Dieu nous aime,
Dieu est d'abord juste juge. Et c'est comme ça qu'il s'empare des gens. C'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, insiste beaucoup pour qu'en ce qui te concerne, tu fasses tout pour être trouvé irréprochable. Je n'ai pas entendu toi-même. C'est pour ça qu'il te demande de marcher avec lui, de marcher sur sa parole, de serrer ta parole, sa parole dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Parce que le péché te rend réprobable. Et dès que tu as péché, tu ne te repens pas, il a le droit légal de dire, ah, j'ai le droit de mettre mes agents ici. Dieu est juste, il y a des lois. Amen. Non, c'est important. L'Esprit m'a dit d'insister ça, sur ça. Après, on va prier. Mais c'est important de comprendre que le diable s'appuie sur les transactions. Voilà pourquoi il y a des gens, je vous l'ai dit vendredi, tu veux être délivré. Le problème, c'est que tu gardes encore le mensonge. Tu as encore la culture du mensonge. Tu as la culture de la fausseté. Tu as la culture de la manipulation. Tu as la culture de la calomnie. Oh Seigneur, délivre-moi. Je veux sortir de ce qui me retient. Mais en même temps, tu as la duplicité. En même temps, tu es faux. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Dès qu'il a quelque chose en toi, le prince de ce monde a quelque chose en toi, automatiquement la capacité de Dieu à agir dans ta vie est freinée par toi-même, par ta collaboration ou encore ta cohabitation. Voilà pourquoi je te supplie par les compassions de Christ, arrête la cohabitation. Si tu as péché, confesse-le, avoue-le, ne mens pas. Le mensonge donne à Satan le droit légal de te garder. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que la miséricorde localise ta vie. Décide d'être quelqu'un qui marche dans la vérité. Décide d'être quelqu'un qui marche dans la sincérité. En faisant ça, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que Dieu est juste. Et si l'accusateur, le procureur, a des choses vraies contre toi, et que tu ne t'es pas repenti, le sang ne peut pas les effacer. Alors ça parle contre toi. Voilà pourquoi tous les jours, on demande pardon à Dieu pour les péchés dans ton inconscient. Tous les jours, dès que Dieu te montre quelque chose, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus te purifie, il te pardonne et le sang de Jésus te purifie. Dis Amen. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu est juste et qu'il n'y a aucune transaction. Satan ne prend pas quelqu'un par hasard. S'il prend, s'il oppresse, s'il harcèle, s'il s'empare d'une lignée, il a le droit de le faire. On lui a donné le péché ou les alliances. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Donc mon point, c'est de te dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pour ça que des textes ont été mal compris, comme Amos 3, verset 6. Arrive-t-il quelque chose dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En fait, quand il dit, est-ce qu'il arrive, Amos 3, verset 6, est-ce que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça ne veut pas dire que Dieu est l'origine, mais ça veut dire pour que ça soit arrivé, il a fallu que le juste juge laisse faire. Parce qu'il n'y a soit pas eu d'intercesseur pour plaider miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Soit il n'y a pas eu de sacrifice engagé. Et les gens n'ont pas plaidé. C'est pour ça que si l'église ne se lève pas pour intercéder, il y a des malheurs qui arrivent. Parce qu'on ne se lève pas. Il faut prier pour nous, pour nos pays, nos régions, nos familles. Que Dieu réveille en nous l'esprit, le cœur de l'intercesseur. Il y a des lois dans le monde invisible. Il y a des lois dans le monde invisible. La troisième des lois qu'il m'a donné de partager, c'est que devant ce trône, devant cette cour céleste de justice, personne ne peut venir avec sa bonne conduite et dire à cause de ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait pour Dieu, tu n'as rien fait. Je répète, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 64, verset 6 nous dit, tous, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut venir devant Dieu en disant je suis quelqu'un de bien. Je mérite, je n'ai pas fait le mal. Le péché commence dans tes pensées. Et même avant que tes pensées ne pensent mal, rien que t'en sens à toute une histoire.
Et si tes ancêtres ont commis l'iniquité, ta vie est déjà engagée. Il y a des esprits qui sont déjà affectés à ta vie. Il y a des lois. Une autre loi dit que tout a un prix. Dans le monde invisible, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas prendre, récupérer l'être humain par la force. Dieu est obligé de respecter ses lois. Et quand quelqu'un veut racheter un esclave, il doit payer un prix. On ne peut pas racheter un esclave gratuitement. Et dès lors que le monde entier est sous la puissance du malin et que l'être humain s'est mis sous la dictature du diable, alors il fallait payer un prix. Et voilà pourquoi Dieu est venu avec le sang. Son propre sang pour la rédemption de l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20. On va bientôt prier. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit à Dieu, merci Seigneur pour le sang de Jésus. Une autre loi dit que l'homme ne peut pas paraître devant Dieu. L'homme, Dieu est trop saint. L'homme, dès qu'il a péché, ne peut pas paraître devant Dieu. Il faut absolument qu'il ait été lavé. Parce que si l'homme paraît devant Dieu comme il est, il va mourir. La sainteté de Dieu, ce n'est pas que Dieu va le tuer, c'est juste que l'éclat de la sainteté de Dieu va le foudroyer. Voilà pourquoi il avait besoin d'être lavé par le sang de Jésus. Dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des offenses ou des péchés. » Si tu es là, tu dis amen. Ok, maintenant prépare-toi. Je n'ai pas fini la parole, la partie parole, mais prépare-toi dans la prière. Parce que nous allons maintenant commencer à procéder à la distribution de la Sainte-Cène. Est-ce que les officiants sont prêts? Parce que maintenant, l'Esprit m'a dit de te dire. On l'a déjà? Amen. L'Esprit m'a dit de te dire, mais il y en a qui ne l'ont pas. Donc préparez-vous, préparez la distribution. Quand tu vas dresser la table aujourd'hui, vous savez que le danger de la routine et de la répétition, c'est qu'on nous finit par oublier la révélation qu'il y a derrière la répétition. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Quand tu vas dresser la table ce matin, en dressant la table, je veux que tu te souviennes que tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui te combat s'appuie sur des alliances, les esprits territoriaux. Il s'appuie sur l'iniquité des pères. Il s'appuie sur des alliances ancestrales. Sur les villes, les familles et sur les territoires, il s'appuie sur des alliances. Quand tu vas prendre ce sang de Christ, je veux que tu comprennes que tu es en train d'envoyer un message au monde invisible. Alors, ce qui va agir en ta faveur aujourd'hui, c'est la conscience de la vérité. Tu es en train de dire, quand tu prends le sang de Jésus, tu es en train de dire que tu sors, tu confirmes, en fait, tu es déjà sorti en vérité. Mais tu es en train de renouveler, tu es en train de commémorer, tu es en train de réveiller le souvenir de ce que tu es sorti des alliances contractées en ton nom, soit par les ancêtres, soit par toi-même, par tes péchés passés que tu as pratiqués. Quand tu prends le sang de Jésus, tu t'assieds à la table du Seigneur, tu es en train
de commémorer le fait que tu es sorti des alliances ancestrales et tu es en train de réveiller ta conscience pour dire « Je suis véritablement engagé dans une nouvelle alliance. » Parce qu'on ne peut pas briser. Satan n'aime pas le divorce. On ne peut divorcer d'avec lui que lorsqu'on a engagé l'alliance basée sur le sang de Jésus. Parce que seul Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. Quand tu vas prendre le repas du Seigneur ce matin, tu es en train de dire au Seigneur, quand tu prends ce repas, tu es en train de dire au Seigneur que c'est à toi que j'appartiens. C'est à toi seul que je veux être éternellement. Parce que c'est ça une alliance. L'alliance signifie fusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en train de dire au Seigneur, c'est à toi que je fusionne et je divorce de toutes les alliances qui provenaient de la vaine manière de vivre héritée de mes pères et qui provenaient même de ce que les erreurs que j'ai commises, là où je suis allé consulter, les abominations que moi-même j'ai commises. Seigneur, toutes ces alliances, je suis en train de dire quand je prends le sang de Christ que je suis sorti des alliances anciennes. Je suis en train de dire que je divorce totalement de tout ce qui n'est pas de toi. Je me sépare, je rejette et je refuse d'être l'instrument d'un autre que de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que par cette alliance, je déclare et je décrète que je t'appartiens, je suis à toi. Et que tout ce qui veut me séparer de toi, qui veut m'empêcher d'être tout entier à toi, Seigneur, sois jugé ce matin. Si tu es là, tu dis amen. Quand tu vas dresser le repas, tu es en train de dire à Jésus-Christ, parce que Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 10 que nous ne pouvons pas à la fois participer à la table des démons et à la table du Seigneur. Donc quand tu prends la Sainte Cène ce matin, c'est pour ça que je précise qu'elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui veulent. Mais écoute bien, quand tu prends la Sainte Cène, tu dis que je renonce à la table des démons, c'est-à-dire que je renonce à... Quand on était petit, on nous a appris à aller dans les cimetières à certains jours de l'année. Et puis on arrive et puis on donne des repas aux esprits. Quand tu fais ça là, tu es en train de dresser ce qu'on appelle la table des démons. Tu dis c'est des morts. Non mon frère, tu es en train de dresser des tables à des démons, à des esprits de mort. Tu es en train de communier avec eux et d'avaler leur vie. Et tu t'étonnes après que tu as des dépressions, tu as des trucs bizarres, tu as des combats, des choses malades qui se baladent dans ton corps. Quand tu dresses la table du Seigneur, tu fais le choix exclusif d'en appartenir qu'à lui. Et tu es en train de dire que tu renonces à la table des démons. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, je fais cette alliance avec toi, je la renouvelle. Je ne vais plus jamais appeler à l'aide, prier, invoquer un autre que toi. C'est ça que tu dis. Je ne vais plus invoquer d'autres esprits que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit-là, ne prends pas ce que tu vas prendre. Ne prends pas la Sainte Cène. Ça va te détruire. Si tu es là, tu dis amen. Enfin, quand tu dresses ce repas, tu es en train de demander à Dieu, maintenant, ce matin, Père, je demande que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection, ma guérison, le sang qui a été versé, je le répète, pour me réquisitionner, le sang qui a été versé pour ma guérison, ma délivrance, le sang qui a été versé pour ma protection, je demande ce matin, comme ça s'est passé à Goshen, où le sang a parlé, et il y a une voix invisible qui a dit à l'esprit de mort, dégage, passe par-dessus, Père, que ce matin, le sang de l'aspersion également parle en ma faveur. Quand tu prends ce repas, tu n'es pas seulement en train de prendre un repas naturel. Non, tu prends un repas spirituel. Et quand tu prends ce repas spirituel, tu demandes à Dieu, Père, que toute la vie qui est contenue dans ce sang parle en ma faveur et ne se taise pas. Mais tu dois dire, Père, engage la voix du sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 24, comme on l'a vu,
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Au verset 24, il dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Dis avec moi, amen. Dis avec moi, le sang de Jésus parle en ma faveur mieux que le sang d'Abel. Répète encore, le sang de Jésus parle en ma faveur mieux que le sang d'Abel. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. En vérité, ce qui m'a étonné, c'est que là, il dit, vous êtes approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Sauf qu'en vérité, le sang d'Abel ne parlait pas. Le sang d'Abel criait. Quand tu vas venir, on va aller dans Genèse 4. Le sang ne faisait pas que parler. En vérité, le cri, c'est une parole. Sauf que c'est une parole qui a de l'intensité. C'est une parole qui est montée jusqu'au ciel. Et ce soir, ce matin plutôt, le sang de Jésus va parler dans ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang, quand il parle, comme le sang d'Abel a parlé, qu'est-ce qu'il fait? Quand il crie quoi? Il crie justice, 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 ou encore vengeance. Le mot vengeance, c'est le mot justice. Ça veut dire ne laisse pas ma vie, ne laisse pas le sacrifice de ma vie être vain, être sans effet. Ma vie n'a pas été dépensée, ma vie n'a pas été sacrifiée en vain. Non, que Père, ce que j'aurais dû vivre et comment m'empêcher de vivre, juge celui qui m'a empêché de vivre la vie que j'aurais dû vivre. Sous-entendu, ne laisse pas les méchants, quiconque a versé mon sang, ne le laisse pas prospérer, ne le laisse plus jamais avoir la paix. Ce matin, je t'annonce que le sang va parler en ta faveur. Le sang va parler en ta faveur. Mais avant que le sang ne parle en ta faveur, je vais te montrer comment, lorsqu'une personne crie, lorsqu'une personne crie comme la veuve, ma Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Mais lorsqu'une personne qui est dans son droit crie, je vais te ramener à Luc chapitre 18, la parabole où Jésus dit qu'il leur adressa une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher ou encore ne pas se décourager. Je veux que tu comprennes que cette veuve-là, tu vois le passage que tu connais, bon tout le monde ne le connaît pas, donc je le relis rapidement. Jésus leur adressa une parabole, alors le verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pour dire ça, il faut savoir qu'elle était dans son droit. Tu vois? Donc, si tu ne connais pas ton droit, si tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est ton droit. Tu dois connaître les Écritures. Donc, dans une situation, tu dois savoir que dit la parole et apprendre à t'appuyer sur cette parole-là. Mais ce n'est pas fini, on continue. Il dit, elle venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse ou encore, fais-moi justice de mon adversaire. Fais en sorte que mon adversaire me lâche et qu'il lâche ce qui m'appartient. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. D'autres versions disent, parce qu'elle me fatigue. D'autres versions disent, parce qu'elle m'épuise, elle me fatigue, elle m'importune, elle m'empêche de me reposer. Parce qu'elle m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Je te rappelle juste en arrière qu'il y a deux puissants secrets ici. C'est que quand la veuve était en train, ça c'est une personne naturelle, c'est une femme naturelle qui est dans son droit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un être humain qui est en train de prier, mais qui est dans son droit. Et un simple être humain qui est dans son droit, le ciel l'entend. Parce que la parabole là, le juge unique, c'est une image de Satan. Et ce juge unique révèle deux choses. Plus elle insiste, elle insiste, elle insiste, plus le gars il est épuisé, épuisé. Il dit, elle est en train de m'importuner. Elle est en train de m'épuiser, de me fatiguer. J'ai voulu te dire, toi tu te sens fatigué, tu dis j'en ai assez, ça ne change pas. Il faut que tu comprennes aussi que de l'autre côté, Pharaon, lui aussi est en train d'être épuisé. Et il y en a un qui va céder au jeu de l'épuisement.
ça ne sera pas toi. Tu vas tenir ferme parce que l'esprit de force vient sur toi aujourd'hui. Et tout ce qui t'avait donné envie de craquer, de dire je n'en peux plus. Jésus dit non, l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Parce que pendant que tu plaides de ta cause, tu dois être conscient de ce que pendant que tu plaides de ta cause, l'ennemi est en train de s'épuiser. Pharaon avait beau faire le gars qui était endurci, qui ne sentait rien, mais la vérité, c'est que Pharaon était en train d'être fatigué. L'Égypte était en train d'être vidée. L'Égypte était en train d'être saccagée. Son infrastructure, c'est tout ce qu'il avait, était en train d'être cassé, cassé. Chaque jour, chaque fléau, il était en train d'être cassé. Chaque fois que tu pries, tu es en train de casser, de casser, de casser. Ne t'arrête pas. Il y en a un. Mon frère, même si tu te sens fatigué, ne cède pas. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Il y en a un qui va craquer. Ça ne sera pas toi. Ce matin, il va craquer. J'ai dit ce matin, il va craquer. Ce matin, il va craquer. Ce matin, Dieu va prononcer des sentences. C'est parce que c'est ça qu'il m'a dit. Et quand il va prononcer des sentences, tu t'appuies dessus. Tu vas voir, il va lâcher. Oh, je t'annonce que tu vas aller en 2024 complètement allégé, libéré. La vision que tu avais va pouvoir désormais parler. Les rêves que tu avais vont désormais se manifester. Ce qui te retenait va lâcher prise. Les hommes forts dans la famille, dans le territoire, vont lâcher prise au nom de Jésus. Quand tu regardes la cité royale, quand tu regardes mon histoire, tu regardes l'histoire du pasteur Yves, tu regardes notre histoire, dans ma famille, tous les hommes qui ont essayé de se marier, tout le monde a été récupéré et personne n'a réussi à rester dans le foyer, dans ma famille. Mais même ça aussi, ça va changer au nom de Jésus. Nous sommes trois à avoir échappé. Et nous sommes trois consacrés, passionnés de Jésus-Christ. Ma femme, toutes les femmes ne sont pas restées. Elle est heureuse, elle est épanouie. Elle vient de fêter son anniversaire. La même grâce va venir sur toi. On ne peut pas emmener les gens là où on n'a pas été. Quand tu vois la cité royale, tu te rends compte que les esprits du territoire de la francophonie ont craqué, ils ont lâché. Et je t'annonce qu'il y a donc sur cette maison, il y a sur son serviteur le manteau pour faire craquer et lâcher. Ah, parade, inaparana, ishada gata. Ça va lâcher. Dis avec moi, ça va lâcher. Dis, tu vas lâcher. Acclame Jésus d'avance. Acclame-le d'avance. Ekanabrane, shatakata. Les cris d'une femme donnaient des maux de tête. C'est ça que dit la parabole. Afin qu'elle ne me vienne pas, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou encore me casser la tête. Et je t'ai déjà expliqué dans mon livre sur la prière qui n'échoue jamais que le mot grec c'est upopiazo. Rompre la tête, ou pour Piazo, c'est donner des coups de boxe, des coups de boxe, des coups de boxe. Regarde, le cri d'une femme a amené le juge unique à dire j'en peux plus. Parce que chaque fois qu'elle criait, il avait le crâne qui était en train de cogner, le visage tuméfié. Ça, c'est le cri d'une femme. Maintenant, à ton avis, que va-t-il se passer quand ça ne sera pas le cri d'une femme, mais ça sera le cri de la voix, du sang de mon grand frère? Oh, acclame Jésus. Acclame-le. Maintenant, pour comprendre comment, en fait, les choses, c'est pas que la prière. La prière a besoin d'être associée à la révélation, à la conscience de la vérité. Parce que c'est la conscience qui alimente ta foi et qui te fait quitter la posture de « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. » Non, je suis dans mon droit. Tu vas me lâcher. Esprit familiaux, esprit territoriaux, vous êtes illégaux. Pourquoi ? J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne suis plus quelqu'un qui a décidé de rester dans le mensonge, la débauche, la fornication, ou quelqu'un, Satan aurait encore un accès en moi. Mais dès lors que je m'engage à marcher aux nouveautés de vie, dès lors que par la grâce de Dieu, je n'ai pas de péché que le Saint-Esprit me donne d'abandonner et que j'ai retenu, alors tu ne peux pas me condamner, me retenir. La voix du sang de Jésus va parler ce soir, ce matin plutôt, en ta faveur au nom de Jésus. Mais avant de comprendre,
Le sang de Jésus ne parle pas seulement. Il crie. Il les met à une fréquence. Mais pour comprendre comment le sang de Jésus parle, il faut comprendre comment le sang d'Abel a parlé. Donc je finis maintenant en te ramenant et puis on va engager la prière. Comment le sang d'un humain a parlé. Genèse 4, verset 8 à 12. Ah. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons, tu peux rester debout, prier déjà en esprit, ne t'assieds pas, c'est fini là, là on va prier. Si tu peux rester debout, reste debout, ne sois pas distrait, reste debout et prie en esprit déjà. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ah, le sang de Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu. Oh Seigneur. Hébreux 12 dit, il a parlé. Mais la vérité, c'est qu'il a crié. Désormais, tu es maudit. Chassé loin du sol. Qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources ou encore il ne te donnera plus toutes ses richesses. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Pourquoi? Parce que tu as versé le sang d'un homme qui ne t'avait rien fait. C'était un sang humain qui avait rien fait. Mais c'était un sang humain. Et l'Esprit m'a dit, si un tel sang a pu crier, à ton avis, quelle sera l'amplitude de l'écho du cri, de la voix, du sang de Jésus, le Christ, lorsqu'il plaide devant le Père? Et qu'est-ce qu'il crie lorsque le sang de Jésus crie à Dieu? Il dit, Père, mon sang n'a pas été versé en vain. Père, mon sacrifice ne le laisse pas être vain. J'ai pris sa place afin de lui donner ma place. Ne laisse pas cette place être vacante. Il doit occuper cette place de royauté. Il doit occuper cette place d'honneur. Il doit occuper cette place de distinction. Il doit occuper cette place de faveur. Mon sang crie à ma Père devant la cour céleste de justice. Et c'est le sang pur et sans tache de Jésus, le sang de Dieu dans un corps humain. C'est le sang qui a fait l'aspersion. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 20, il te dit que c'est le sang qui a fait la réconciliation entre le ciel et la terre. C'est le sang qui a permis de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est le seul sang que la cour céleste de justice a agréé en disant, quiconque se présente devant la cour céleste de justice avec ce sang de Jésus-Christ, le diable qui a pris tous les êtres humains sur sa captivité à l'ordre devant la cour céleste de justice, ce n'est pas toi qui dois le faire, c'est le Père qui doit relâcher des sentences émanant depuis la cour céleste de justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le sang de Jésus-Christ crie, il dit, à cause du sacrifice, du prix que j'ai payé, ne laisse pas le diable prospérer. Père, il n'a pas le droit de prospérer. Il n'a pas le droit de se réjouir. Il n'a pas le droit de retenir les otages parce que le prix a été payé. Il n'y a pas de double peine. Vois, et Jésus, la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que non seulement il est ton souverain sacrificateur, mais il est ton avocat auprès du Père. Il est celui qui montre au Père en permanence ses mains percées, ses pieds percés. Il dit au Père, ses mains ont été percées. Ses mains ne peuvent pas rester dans la pauvreté. Les mains de cet homme, les mains de cette femme ne peuvent pas rester faibles, ne peuvent pas rester clouées, ne peuvent pas rester dans l'échec. Mes pieds ont été percés. Il ne peut pas rester paralysé. Il ne peut pas rester dans la lenteur. Il ne peut pas rester en retard. Père, à cause de mon sang versé pour lui, je commande que ma vitesse, l'esprit de la vitesse, soit relâché sur sa vie et que ce qui avait mordu ses jambes soit brisé au nom de Jésus.
tout hôtel familial, hôtel territorial qui avait retenu tes jambes, qui disait non, tu n'as pas le droit de courir, tu n'as pas le droit de te mouvoir, tu vas te mouvoir comme un escargot. Père, à cause du sang de Jésus-Christ que nous allons avaler ce soir, ce matin plutôt, Père, que la vitesse soit donnée à ma Père. La vitesse en faveur, la vitesse en accélération, la vitesse en puissance, la vitesse en promotion, la vitesse en guérison, la vérité, la vitesse. Tout esprit de retard va lâcher son emprise ce matin. Alors que tu vas communier au corps et au sang de Christ. Sois conscient, ce sang va parler ce matin. Le sang crie vengeance, le sang dit non. Satan n'a pas le droit de prospérer. Alors maintenant, on va dresser la table. Père, nous te rendons grâce pour le don de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour le don de Jésus, du corps de Christ, brisé pour moi. Je te dis merci pour le sang de Christ, versé pour ma rédemption, pour ma délivrance, pour ma protection, pour ma guérison. Père, merci. Je crois ce matin, par le mystère de l'action de grâce, que ce repas n'est plus un repas naturel. Dès lors que j'ai rendu grâce, il devient un repas spirituel. Par ce repas, je me connecte à la vie, à l'autorité, à la puissance du divin. Et j'appelle que le sang de Christ, la vie de Christ, parle dans mon histoire, dans ma maison, dans ma santé, dans mes finances. Que le sang de Jésus-Christ parle, crie ce matin. Je prends maintenant le corps de Christ. Prends le corps. Seigneur, merci Père pour le sang de Christ versé pour nous et qui va parler ce matin. Prends le sang de Christ. Paranesh katou prane kata. Rana chate ke parano. Parane kata parane ko. E shana marane. Rana bakatos. Oh oh oh. Oh oh. Parane shane barano akotosia. Rane bare, shene marane barano ketus kalamade, ibrane shatane karane shatena mera, rane katosate mara. Le sang d'Abel a bloqué la prospérité de Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, à cause de ce que tu as fait, le sang crie vengeance. Le sang crie justice. Karama chate. Et il dit, désormais, tu es maudit. Un, tu es chassé. Deux, trois, quand tu vas cultiver les semences, le sol, tout ce que tu vas mettre, les paroles, les semences, ce sont les paroles. Les incantations, les sortilèges, les envoûtements, les paroles que tu as relâchées avant la naissance de cette personne. Après sa naissance, ses paroles sont annulées parce que tu es maudit. Père, élève la voix maintenant et demande au Père que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Dieu veut que tu élèves la voix et que tu déclares à cause du sang de Jésus-Christ. Répète avec moi ces paroles. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare, à cause du sang de Jésus, versé pour ma rédemption, versé pour ma délivrance,
versez pour ma guérison, versez pour ma protection, versez pour ma distinction, à cause du sang de Jésus. Père, pas moi, mais à ton nom, donne gloire. Père, que le sang de Jésus crie ce matin en ma faveur. Il crie justice. Il crie justice. Il crie justice. Père, je place une demande. Justice à cause du sang de Jésus. Justice à cause du sang de Jésus. Que les esprits familiaux, les esprits territoriaux, les adversaires et les ennemis invisibles de ma destinée qui ne voulaient pas lâcher ma vie, ce matin, j'engage la voix du sang de Jésus qui crie en ma faveur. Justice, Père, exécute tes jugements. Exécute tes jugements. Relâche tes sentences. Que ma vie soit relâchée. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'avait accompagné en 2023, les accompagnateurs indésirables, indésirés, je ne veux plus de vous, esprit impur. Je ne veux plus de vous, esprit de pauvreté. Je ne veux plus de vous, esprit de rejet. Je ne veux plus de vous, esprit de limitation. Je renonce à vous, esprit de mort. Je divorce avec vous, esprit de sorcellerie, esprit familial, esprit territorial. Vous avez mis des limites, des blocages, des chaînes pour m'empêcher d'être tout entier à Jésus-Christ. Je me sépare de vous et j'appelle les jugements de Dieu le Père, du juste juge, à cause du sang de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce qui m'avait retenu, connu ou inconnu, identifié ou non identifié, lâchez prise, sortez de ma vie. Votre bras est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Dans le nom de Jésus, j'engage sur ma vie le manteau apostolique qui a ouvert une brèche dans la francophonie à ma père à cause du sang de Jésus. J'engage ce manteau et je commande que tout ce qui voulait m'accompagner, les œuvres du diable en 2024 s'arrêtent, sont détruites aujourd'hui, maintenant, tout de suite, maintenant, 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 maintenant. Lâchez ma vie, élève la voix maintenant, fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a sa vie? Parle, parle. Le sang est en train de crier, le sang est en train de crier. Justice, justice, justice. Place ta demande, place ta demande, place ta demande, place ta demande, place ta demande. Pratequeta, je ne peux pas subir le même sort que les gens de ma famille. Non, mon cas est différent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Père, la sainte scène de ce matin signifie que je veux marcher avec toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux te servir. Père, juge tous ceux qui veulent bloquer, attaquer ma santé, attaquer mon intelligence. Juge-les ce soir. Attaquer mes utérus, attaquer mes organes génitaux, attaquer ma fécondité. Ceux qui m'ont fait manger des repas mystiques pour attaquer ma santé, pour m'initier, je vomis leurs repas. Je vomis ces repas. Justice, que les serpents qui se promenaient, que les serpents qui résistaient à ma peur, ce matin, ce matin, ce matin, dans l'unité du Saint-Esprit,
justice, justice. Et ta parole déclare. Ah, c'est par le feu. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive, c'est par l'épée qu'il châtie toute chair. À ma père, exerce des jugements ce matin par le feu. Il y a quelqu'un qui ne veut plus mentir. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre sa vie en règle avec toi. Mais malgré tout, ces voix qui disent « Tu es à moi », ces esprits familiaux, ces esprits territoriaux, ces influences spirituelles, diaboliques, maléfiques, néfastes, héritées des ancêtres, de l'iniquité de mes pères, de mes propres péchés, je me sépare de vous. Mon frère et ma sœur se séparent de vous. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, vous êtes illégaux. Le juste juge fait entendre ses sentences ce matin, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je demande une intensité de feu jamais expérimentée, une intensité de feu jamais connue, une intensité de feu jamais manifestée, une intensité de jugement. Fais parler le sang, fais prier le sang, fais crier le sang, fais crier le sang. Justice, justice. Ah, ah, cabaré, et chana, prané, kata, et kata, rané. Tous ceux qui combattaient les grossesses, tous ceux qui combattaient les grossesses, justice contre vous. Père, que tes jugements soient maintenant manifestés par le feu sur les organes génitaux. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lâchez les organes génitaux. Lâchez les organes génitaux. Lâchez les organes génitaux. Lâchez les organes. Lâchez. Endométriose, ménopause précoce, douleur qui provient des régions génitales, douleur nauséabonde. Ah, je te vois. Caparané, Ishaba, maladie, maladie génitale, maladie génitale. Lâchez, lâchez, lâchez. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lâchez, lâchez, libérez. Aujourd'hui, libérez. Votre délai, c'est aujourd'hui. Vous ne traverserez pas minuit. Vous ne traversez pas minuit. Vous ne traversez pas minuit. Ah, Kata, René Chakamara, à cause de la voix, du sang, du cri, du sang de Jésus. Satan, tu es maudit. Esprit méchant, tu es maudit. Esprit de mort, tu es maudit. Esprit d'infimité, tu es maudit. Esprit impur, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. La main du Seigneur est contre toi. Les jugements du Seigneur sont contre toi. J'appelle au nom de Jésus les jugements contre toi. Par le feu, par le feu. Esprit impur, tu disais elle est à moi. Esprit territorial, esprit familial. Je commande le chemin dégagé, le chemin frayé. Mon frère, passe. Toi qui causais toujours l'échec au niveau professionnel, tu avais mordu les mains. Il priait, ça ne marchait pas. Tu ne survivras pas 2024. Tu t'arrêtes aujourd'hui. Tu t'arrêtes maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Le feu vient libérer ses mains. Le feu vient libérer les gens. Le feu vient libérer la tête. Voleur d'intelligence, voleur d'intelligence. Vous avez prospéré avec l'intelligence de cet homme, avec l'intelligence de cette femme. Vous avez prospéré avec vos migraines, avec la folie, la schizophrénie, la bipolarité, tous les troubles mentaux. Je vous réprime, je vous réprime, je vous réprime. Allez libérer les têtes, sortez, 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 sortez. Avant minuit, aujourd'hui, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Sortez, sortez, ne revenez plus, ne revenez plus. Raka et Sana, prenez, pardonnez. Je prononce le feu, j'envoie le feu contre les voleurs de mémoire, les voleurs de mémoire, les voleurs d'intelligence, les voleurs d'intelligence. Rana Bare, Shade Bara, Shade Brana Bare, Ishana, prenez. Je relâche le feu contre les esprits, les créatures mystiques, les créatures maléfiques qui avaient attaqué la tête. Libérez la tête,
Maintenant, libérez la tête. Je viens contre vous. Vous avez attaqué les estomacs, les repas mystiques. Vous avez attaqué le ventre. Vous avez mis des ulcères. Vous avez mis des tumeurs. Vous avez mis des douleurs chroniques, des colopathiques, toutes les formes de maladies du côlon, de l'estomac. Libérez, relâchez, libérez. Au nom de Jésus. Paranekata, Dieu a dit à un homme, il a dit à Caïn, à cause du sang de ton grand frère, tu seras chassé du sol. Je commande, à cause du sang de Jésus, quiconque combattait ta destinée et habitait ta santé, habitait ta vie, est maintenant chassé. Le sang de Jésus, crie plus fort, sors, le c'est pas moi, c'est le sang qui est en train de te chasser. Entends, j'entends le sang est en train de le chasser. La voix du sang est en train de crier pour dire dégage, dégage, dégage. Libère les estomacs, libère les seins, libère avec des cancers, libère les os, libère les reins, libère le foie, libère la prostate, libère le pancréas, libère les émotions, libère les sentiments, libère la volonté. Allez dégage. Paré, Ishana, paré, Deka, Ebrekata, Para, Imakate, paré, le cabaret, Nacha, Ibroko, paré, Erana, Chane, Kata, paré, Imane, Kata, O parané, Chakata, Eke, prete, Kamanda. Le sang de Jésus-Christ, dort. Il te chasse, dort. J'ai payé le prix pour lui. Et le sang est en train de dire au Père, mon sang n'a pas été versé pour qu'il reste oppressé, pour qu'il reste harcelé, pour qu'il reste tourmenté. Je commande à tous les esprits mystères. Ça fait des années que tu es là, tu harcèles, tu fatigues. On ne connaît pas ton identité, mais le sang de Jésus-Christ est contre toi et il crie contre toi. Lâche-la. Je n'ai pas souffert en vain. Je n'ai pas donné ma vie. Je n'ai pas payé le prix pour qu'il reste lié et attaché. Sors au nom de Jésus. Dors. Mare, chané, kaparane, libère les mains, libère la tête, libère la barbe, libère la dignité, libère l'honneur, libère la dignité à cause des viols, à cause des maltraitances, à cause des viols, à cause des maltraitances, à cause des abus. Il s'est faufilé dans ton âme et puis te fait comprendre que tu n'as pas de valeur, que tu ne vois rien, que personne ne t'aime. C'est l'esprit d'apitoiement, c'est l'esprit de dépression, c'est l'esprit de rejet, c'est l'esprit de suicide, c'est l'esprit qui te rabaisse. Tu te sens minuscule, tu te sens inutile, tu sens que tu ne mérites pas de vivre. Je prends autorité sur cet esprit de confusion, d'apitoiement. Libère son cœur, libère son âme, libère-la, libère-le. Allez, sors, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, 2024, ce sera une année de joie. Il n'y aura plus l'accompagnement, le mélange entre la tristesse et la joie. Non, tu libères, allez, sors. 2024 ne sera pas une année de mélancolie, ce sera une année de joie. Esprit d'apitoiement, sors, libère, au nom de Jésus, libère. Katamarea, tumeur au niveau de l'estomac, au niveau du pancréas, au niveau du colon, libère, sors. Tu pars aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Tu meurs au sein, tu meurs au cerveau, tu meurs au cou. Allez, sortez. Cancer de l'utérus, sortez. Toutes les tumeurs, libérez. Allez. Rane shaka baraneke, rako prakaneka, imarode shane. Arana kaparade, ibrakane, asana tato paraneka, parane, paroko perene shakapara. J'entends la voix du sang de Jésus qui crie maintenant. La voix du sang de Jésus est en train de parler à ma père, pas à nous mais à ton nom.
au sang de Jésus, fais justice. Au sang de Jésus, fais justice. Au sang de Jésus, fais justice. Ce sont des voix qui ont méprisé le nom de Jésus et le sang de Jésus. Père, juge-les maintenant, maintenant. Ça s'arrête aujourd'hui. Leur tourment, leur harcèlement s'arrête aujourd'hui. Maintenant, maintenant. Kare makata pareno, eshata kata, rene karama, rene shakata pare. Rene shata ni karamando saka, rano shake marena katuze. Et marena, à cause du sang de Jésus. Oh, 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 à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Ça va se passer maintenant. Ça se passe aujourd'hui. Après minuit, c'est fini. Ça se passe avant. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Oh, oh, oh. Oh, Fais crier le sang de Jésus. Rien ne restera. Esprit impur, tu es maudit. Le sang te dégage dehors. Tes semences sont maudites. Tes incantations sont maudites. Tes sortilèges sont maudits. Quiconque a parlé contre cet homme et cette femme, ta bouche est maudite. Tes paroles sont maudites. Ce que tu déclares retombe sur toi. Fais crier le sang. Ce matin, tu fais crier. Nous plaçons une demande, une exigence devant la cour céleste de justice, Père. Tu fais crier le sang et tu relâches le feu du jugement et tu envoies l'épée du glaive. Tu envoies le glaive et l'épée de l'esprit contre les bâtisseurs de terre. Que par l'épée ils soient tranchés. Qu'ils soient tranchés par l'épée. Qu'ils soient taillés en pièces par l'épée. Quiconque alimente l'autel familial. Quiconque alimente l'autel des territoires qui parlent contre nous. Que par l'épée de l'esprit. Passez minuit, on ne les trouvera plus. Passez minuit, on ne les trouvera plus. Passez minuit, on ne les trouvera plus. Parce que tu fais crier. Parce que tu fais crier. Parce que tu fais crier. Parade chaka para. Parce que tu fais crier. Parce que tu fais crier. Tu as dit à Caïen, tu as dit à Caïen. Caïen, quand tu vas cultiver le sol, ça ne marchera plus. Tout ce que tu vas cultiver ne marchera plus. Tout ce que tu vas planter ne marchera plus. Tes rues, tes stratégies, ta sorcellerie, tes semences, tes malédictions, tes sens. Tout ce que tu vas dire, planter ta pauvreté ne marchera plus. C'est l'année de ma richesse, tu ne m'accompagneras pas en 2024. C'est l'année de percée surnaturelle, tu ne m'accompagneras pas en 2024. Fais crier. Oh, tu fais crier. Oh, tu fais crier. Juste, le plaçant devant toi. Tu fais crier le sang de Jésus.
et tu châties les arrogants, les hautains. Tu châties ceux qui n'avaient pas obtempéré. Quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit leur historicité, dans la famille et dans le territoire, leur état de siège est brisé. Leur mainmise est brisée. Leurs sentences sont maudites. Le sang est maudit sur vous. Esprits familiaux, territoriaux, la terre ne recevra plus vos semences. La terre du territoire où je suis ne recevra plus vos enchantements, ne recevra plus vos envoûtements, ne recevra plus vos sortilèges. Je déclare que la terre de France mentionne la terre de ton pays. Je déclare que la terre sur laquelle je suis ne recevra plus vos paroles, vos limitations, vos restrictions, vos blocages, vos échecs, vos sabotages. La terre a ordre de me bénir. Je prospère dans le territoire. Je suis une lumière et un prodige sans le territoire. La terre ne va plus marcher. Vos semences dans la terre. À cause du sang de Jésus qui crie en ma faveur, qui crie en notre faveur, je déclare la possession de l'Europe au nom de Jésus. Je déclare le salut de l'Europe au nom de Jésus. Je déclare le salut de ce pays au nom de Jésus. Fais prier. Il cesse de prospérer dans le territoire. Quiconque est connecté au son de la voix prospère dans le territoire. Parce que tu fais crier. Juste, juste, tu fais crier. Juste, juste, tu fais crier. Rata, chaka, maré, da, da, da. Les esprits de colère, dors. Les esprits de débauche, dors. Les esprits d'échec de mariage, dors. Esprit de célibat forcé, dehors! Esprit de confusion, dehors! Confusion sexuelle, regarde le sang, regarde, il crie contre toi, c'est pas à cause de moi, c'est le sang, il crie comme le tonnerre! Il crie comme le tonnerre! Il crie comme le tonnerre! Cet esprit n'a plus de paix! Il fait crier! Au jour de sa libération, tu n'es pas le bienvenu en 2024. C'était ton dernier jour. Tu fais crier. La terre est bénie à cause de moi. Je prospère dans le pays. Tu prospères dans le pays. Le territoire à cause du sang marchera plus devant les enfantements, les envoûtements, les enchantements, les sortilèges. Je déclare à cause du sang de Jésus, il crie justice et vengeance. Vous ne pouvez plus bloquer. Sa vie est relâchée. La destinée de l'Église est relâchée. 2024 ne sera pas la confusion de l'Église. Ça ne sera pas l'embarras de l'Église de Jésus-Christ, non. À cause du sang de Jésus. Parce qu'il fait crier le sang. Parce que j'entends le sang crier. Il crie comme le tonnerre. Et je vois l'ennemi et la tête qui est en train d'exploser. Il est la tête du diable est en train d'exploser. La tête de ses esprits est en train d'exploser. Il dit, ah, on n'en peut plus. C'est normal, c'est le sang qui crie. C'est le sang, il est en train de crier. Esprit de paralysie. Il est en train de crier contre l'esprit de paralysie. Il crie contre l'esprit de folie. Il crie contre l'esprit d'impureté sexuelle. Marie de nuit, femme de nuit. Voleur de semences, voleur de sperme, voleur d'ovaires, c'est des voleurs d'ovaires, des voleurs de spermatozoïdes. Par les fausses couches la nuit, vous venez voler. Et maintenant, il y en a qui ont du mal à concevoir, ils ont du mal à enfanter. On dit que les spermatozoïdes ne marchent pas, on dit que les ovaires n'ont pas, il n'y a pas assez d'ovaires. Parce que vous avez volé les ovaires, vous avez volé. Au nom de Jésus, nous venons dans ces laboratoires. Vos laboratoires mystiques, vous avez semé
Vous avez stocké les semences de sperme et des ovaires. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir parce que leur fécondité a été enfermée dans les laboratoires. J'envoie le feu pour la destruction de ces laboratoires. Ce matin, au nom de Jésus, que leur laboratoire, où ils ont mis les cerveaux, ils ont mis les organes, ils ont caché les spermes, ils ont caché les ovaires. Et toi, maintenant, il n'y a pas de process. Je commande le feu du jugement dans ces laboratoires, sur ces laboratoires, ce matin, au nom de Jésus. Je commande la restitution, la récupération, à cause du sang. Je commande la restauration. Je commande la restitution. Restitution totale. À cause du sang de Jésus. 2024 sera l'année de ta sanctification. Si tu es résolu, tu es décidé, mais tu étais combattu, des pressions sur ton sexe, mets la main en bas, ne touche pas, mets seulement la main. Voleur de force, voleur de fertilité, voleur de lumière, voleur de gloire, voleur de splendeur. C'est à vous que je m'adresse. À cause du sang qui crie, lâche-la! Tu ne peux pas résister à la voix. C'est un cri assourdissant. Si le cri de justice d'une femme a fait éclater la tête du juge unique, imagine le cri du sang de Jésus. Et ma Bible dit que sa voix est comme le tonnerre, comme le bruit de grandes sceaux. C'est la voix qui est en train de retentir maintenant. Tu avais envoyé la folie contre cet homme, cette femme. Cette folie t'est retournée. C'est toi qui tes nerfs pètent au nom de Jésus. Ils éclatent à cause de le son assourdissant que tu entends. Tu ne peux pas résister. Il y a un son dans l'invisible. À cause du sang de Jésus. C'est ton dernier jour. À cause du sang de Jésus. Mami Wata, quel que soit ton ancienneté, le sang de Jésus est plus ancien que toi. Le sang de Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Le sang de Jésus a été versé avant la fondation du monde. Il est plus ancien que toi. Tu te soumets. Dieu de justice, nous te rendons grâce. Juste, nous te rendons grâce. Ah, juste, nous te rendons grâce. À cause du sang, le sol du diable s'est maudit. Sa richesse connaît la sécheresse au nom de Jésus. À cause. Parce que nous engageons le cri du sang. Il a dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses richesses. À partir d'aujourd'hui, plus aucun esprit familial ne s'enrichira. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons et décrétons la pauvreté de ceux qui s'étaient enrichis avec le commerce des grâces, des potentiels, de tout ce que tu avais réservé pour les racheter. À partir d'aujourd'hui, parce que Jésus-Christ s'est volontairement fait pauvre à la croix, de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Et à cause de ta justice, Père, que 2024 soit une année de prospérité financière et de richesse sans précédent. 2024, c'est l'année de la gratification, de la rémunération, des intérêts composés, de toutes nos semences sacrificielles qui datent de plusieurs années, dont on n'a pas vu la moisson à cause du sang. La terre et toute la terre et le territoire et la terre entière, la France n'est pas capable de me supporter. Je suis trop large. Tu es trop large. La terre entière, à cause du sang versé, la terre a reçu ce sang. Elle avait reçu le sang de Caïn. Elle encaisse le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ordonne à cette terre, fais pousser la faveur, fais pousser les opportunités, fais pousser les contrats, fais pousser les portes ouvertes. Allez, que la moisson soit. Je déclare que les moissons soient pour 2024 dès le 1er janvier au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang. À cause du sang. Rada shata tatu rana pera kana maro ko shala. À cause du sang, les gardiens qui bloquaient la destinée, à cause du sang qui crie contre vous, votre état de siège est brisé. Vous vouliez faire échouer la destinée de cet homme, de cette femme, en lui envoyant des mauvaises fréquentations, des pensées d'oppression, des mauvaises fréquentations, en volant son intelligence. Vous vouliez empêcher son destin d'émerger. J'éloigne les mauvaises fréquentations. J'appelle la restitution de l'intelligence, du génie, de la sagesse, de la créativité. J'appelle la restauration du zèle, de la diligence, de la discipline, de l'ingéniosité. Quiconque combattait cette productivité, quiconque combattait des mains prodigieuses, des mains de miracle. Les mains, c'est la responsabilité. Les mains, c'est la productivité. Les mains, c'est la force. Les mains, c'est la richesse. À cause du sang qui crie, je ne suis pas fait pauvre en vain. Je me suis fait pauvre afin que tu sois enrichi. Père, juste juge, merci pour tes sentences. Aucune des paroles relâchées ce matin, de toutes les paroles que tu as relâchées, aucune ne restera sans effet. À cause du sang, oui, acclame. À cause du sang. À cause du sang. À cause. À cause. Father, we thank you. Maintenant, tu vas élever la voix comme quelqu'un qui croit. Si le sang de la veuve a crié, si le sang de Abel a paralysé tout le futur, les semences, a chassé, le sang a chassé. Le sang lui a dit, tu ne peux plus rester ici, va-t'en. Comment peux-tu croire que le sang de Christ
va permettre à un démon de rester. Augmente ta foi. Que la grâce de la foi inébranlable dans le sang, la puissance du sang, soit greffée sur ton cœur. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour les cris stridents émis par le sang de Jésus. Ne demande plus. Rends grâce maintenant de ce que tu as établi. Un cri strident a retenti jusqu'à la racine depuis plusieurs générations. De geôliers qui étaient là depuis plusieurs générations. Là, un cri strident, tu n'as pas entendu. Je l'ai entendu. Il a retenti. Ils ont dit, on ne peut pas rester. Ils ont dégagé à cause du cri. Il y a une intensité de cri. L'esprit entend de me dire, regarde les choses naturelles. Il y a une intensité de cri, même sur le plan physique, qui fait qu'on ne peut pas rester au même endroit. Quand les, rien que dans certains bâtiments, on a eu ça ici au bureau une fois, quand l'alarme a retenti, c'était impossible de rester dans le couloir. Et l'alarme dit évacuer, évacuer. Et l'alarme, si tu restes là, tu deviens sourd. Et les gens tiennent les oreilles, tu ne peux pas rester. Il y a un cri que j'ai entendu tout à l'heure. C'est fini. C'est le cri qui fait l'évacuation. Ce ne sont pas tes prières. C'est le cri qui fait l'évacuation. C'est pas tes prières, c'est le cri. Tu viens plaider devant le trône de justice. Tu dis justice, justice. Fais parler le sang. Fais crier le sang. Mais je place une demande. Que le sang crie en ma faveur. Le sang crie. Et il y a dans les esprits. On ne peut pas rester. Vous êtes partis. Il ne reviendra plus jamais. J'ai dit, il ne reviendra plus jamais. C'est un cri strident. Comme le tonnerre qui gronde dans toute sa force. Et comme le bruit des grandes sceaux. C'est un cri que personne ne peut supporter. Ah, rakato shama. Non. Je ne m'intéresse pas aux manifestations. Quiconque se manifeste là. Le but, ce n'est pas que tu te manifestes. Le but, c'est que tu dégages. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est fini. Tu ne resteras pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance totale de tous les bagages, les souffrances, les douleurs, les fardeaux de 2023. S'arrête aujourd'hui. À cause du sang. À cause du sang de Jésus. Je vois des chemins frayés, des portes fermées, ouvertes au nom de Jésus. La fécondité ouverte, la protection est établie. Ton intelligence est établie. Ta discipline est extraordinaire. Ton ingéniosité est extraordinaire. Ton corps est guéri. À cause du sang. Ta destinée est dégagée. Ton étoile brille. Les voleurs de ta force ont été jugés ce matin. À cause du sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci.
Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci pour le sang de Jésus. Après cette prière, ne va pas demander. Ne va pas prendre autorité. Reste dans l'action de grâce. Reste dans la célébration. Ne dis pas, ah mais moi je sens encore. Laisse ça. Tu n'as pas entendu le cri. C'est pas ta prière. C'est le cri qui a chassé Caïn. Tout ce qu'ils vont planter ne donnera plus jamais. Ne te dis pas qui va me maudire dans la famille, c'est fini. C'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements, et c'est par le glaive, c'est par l'épée qu'il châtie toute chair. Quiconque voudra parler, ne t'inquiète plus pour lui. C'est fini. Rends grâce, rends grâce. Parane chato, parane sakada barane. Dieu qui voit tout, Dieu qui sonde tout, Dieu qui entend tout, Dieu devant qui rien ne peut rester caché. Dieu qui observe tout. Tes yeux parcourent la terre. Tu sondes l'homme. Même si je me réfugie dans les ténèbres, tu es là. Devant toi, les ténèbres sont lumière. Il n'y a rien qui peut rester caché devant toi. Tout devant toi est lumière. Même ce qui n'a pas été mentionné, à cause du sang, par les cris du sang que tu as identifié, rien qui reste. Mais cette communion d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont renouvelé leur alliance avec Jésus-Christ. Et si tu l'as pris alors que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il va falloir que tu la donnes à Jésus vite et tout de suite. C'est pour les gens qui disent à Jésus, renouveler l'alliance. C'est pas dire je suis né de nouveau. C'est dire on est collé serré. C'est toi que je veux servir. C'est à toi seul que j'appartiendrai. Plus jamais de cohabitation. Plus jamais d'autre alliance. Une seule alliance parlera. Plus jamais de cohabitation avec les esprits, avec l'alliance, les alliances qui émanent de la vaine manière de vivre de mes parents, de mes ancêtres. Une seule alliance dans ma vie. Je n'invoquerai plus jamais un seul. Toi seul, Jésus-Christ. Si c'est ça ton cœur, tu es établi. Ton témoignage est scellé. Père, toi qui transfères les grâces, tu as prouvé par la construction de la cité royale que les dominations qui contrôlent la francophonie n'ont pas réussi à empêcher ta volonté d'être manifestée. Tu as fait sortir un édifice d'un endroit humainement impossible. C'est ton doigt qui a fait ça. Ton sang a parlé. Ton sang a crié. Ton sang a rugi. Et dans le monde invisible, on a entendu le rugissement du lion de la tribu de Juda. Et les eaux, la mer rouge s'est écartée. Les eaux se sont dressées comme des colonnes et ont laissé passer la manifestation de ton dessein, pas nous, de ta volonté, de ton édifice, d'un autel spirituel que tu t'es construit
pour éclairer les extrémités de la terre. Nous te rendons grâce. La même voix qui a ouvert le chemin est la voix du sang de Jésus qui parle sur nos vies. Rétributeur des méchants. Nous te rendons grâce. Nous allons rentrer en 2024 ce soir. Léger. Personne ne mourra. Personne ne va porter les mêmes fardeaux. Non. Pas à cause de nous. À cause du sang. À cause du nom. Parce que à ton nom qui est dans la gloire. Et là ici, nous ne voulons pas la gloire d'un homme, la gloire d'une église, non. À cause du sang, à cause du nom de Jésus. À ton nom qui est dans la gloire. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Le nom de Jésus, notre héros, notre rédempteur, est le seul nom qui en 2024 sera souverainement élevé, exalté, proclamé, célébré, magnifié, adoré à cause du sang, à cause du nom, nous te célébrons. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de célébrer, de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu le Père, de rendre gloire à Jésus-Christ, de rendre l'honneur à l'Esprit de vie, à l'Esprit de vérité, à l'onction de Dieu, au glorieux Saint-Esprit. Nous sommes émus par tes compassions. Nous sommes émus par ta bonté. Nous sommes émus par ta miséricorde. Nous sommes émus par ta fidélité. Nous sommes tellement remplis de gratitude. Aucun mot ne peut suffire. Aucune offrande ne peut suffire. Reçois seulement, simplement. Reçois, reçois nos acclamations. Rende peredo caparedo chata. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le nom. Merci pour le nom. Merci pour le nom. Merci pour le don. Merci pour le don. Merci pour le don. Merci pour le don, pour le don de Jésus. Merci pour le don. 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 Yes, Lord. We thank you. Personne qui a les dispositions de cœur que tu as décrites, Père, ne va rentrer en 2024 avec la tête baissée, le dos bossu, la tête embarrassée vers le bas, en train de dire pitié de moi. Non, non. Chacun d'entre nous relève la tête, redresse le buste, bombe le torse et va marcher dans cette vérité, cette conscience. Béni sois-tu au nom de Jésus. Ne t'inquiète plus de tout ce qu'on va semer contre toi. La conscience du sang et l'alignement sur le sang ne donne pas d'éléments contre toi à l'accusateur. Voilà pourquoi tu dois marcher de manière irréprochable. Être irréprochable, ce n'est pas être parfait. Être irréprochable, c'est l'esprit ne te, ta conscience ne te gronde pas. Il n'y a pas un truc sur lequel l'esprit met le doigt en permanence. Quand il met le doigt, tu dis Seigneur, j'abandonne. Si tu ne fais pas ça, tu donnes à Satan l'occasion de t'accuser et de te bloquer. Vomis tout
la culture du mensonge, la fausseté. Finis avec ça. C'est ça qui alimente le serpent. C'est ça qui alimente le dragon. Vomis tout. Ce que tu n'as jamais avoué et que tu dois avouer. On n'avoue pas ce qui est dans le cœur. Si tu as maudit des gens dans ton cœur, tu demandes pardon à Dieu. Mais si tu as commis des actes, si tu as calomnié physiquement, si tu as couché, il y a des choses. Quand c'est le corps physique qui a été engagé, confesse-le. Pas à tout le monde, pas à ton ami, à quelqu'un de discret qui est une autorité. Ce n'est pas le moment de demander rendez-vous avec le pasteur. Pas avec le pasteur Ivan. On est plus de 70 personnes, staff pastoral ici, rien qu'à la cité. Et dans ton église connectée, il y a du monde. Mais rentre en 2024. Avec... Si tu fais ce que je te dis, tu vas t'émerveiller de constater qu'en 2024, André, tu es en train de prendre un... Tu voles comme un aigle. Qui a envie de dire merci à Dieu? Tu ne peux pas. Dieu est en train de sécher totalement. Il t'a débarrassé, c'est fini. Ne va plus dire au nom de Jésus. Non, 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 c'est fini. Reste dans ce qui a été dit et rends grâce à Dieu. Reste dedans. Nous voulons apporter à Dieu une belle offrande. Ce soir, ce sont des vœux. Mais là, c'est l'offrande de la délivrance. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Mais c'est l'année où toutes les contrariétés de dernière minute, tu fais des choses qui commencent à s'ouvrir, ça se referme. C'est fini. Les portes ouvertes vont rester ouvertes. Nous tous qui avons semé pendant des années, c'est l'année où on va commencer à avoir maintenant, on va jouir du fruit. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner ce qu'on a semé. Une dimension de moisson sans précédent. Je te l'annonce, je suis certain. Une dimension de moisson sans précédent. Donc chaque fois maintenant que tu l'as semé, tu es content. Parce que maintenant tu es entré dans la dimension des moissons. Et tout ce que tu vas semer, ne t'inquiète pas. Ce que tu vas récolter, c'est trop fort. Seigneur, nous voulons apporter. Que pourrions-nous apporter, Seigneur, qui pourrait être assez significatif pour t'exprimer notre gratitude? Nous ne voulons pas seulement recevoir la grâce, Père. Nous voulons garder la grâce. Et tu m'as enseigné que garder, conserver la grâce exige de poser un acte, une action, qu'on appelle l'action de grâce. Un sacrifice de respect, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'amour pour te dire merci. Je crois à une nouvelle année, à une nouvelle saison. Je crois à une saison de sourire, de rire, d'appréciation. L'Esprit m'a dit ce matin, quand je priais, s'il y a une phrase, un verset qui résume cette année, c'est quand l'Éternel ramène les captifs de Sion. Vous pouvez le mettre à l'écran. Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nos bouches étaient remplies de cris de joie. Et nos... Oui, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et nous répondons oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Tu es rentré dans la dimension de ta vie où le rêve devient réalité. Ce que tu as fait enfanter pour le cœur de Dieu,
Dieu le fait enfanter pour ta vie. Ce que tu t'es battu à faire naître pour le cœur de Dieu, Dieu va se déployer dans ta vie pour le faire naître maintenant pour toi. C'est le temps de ta gratification. Mais mets de l'ordre. Ne laisse rien traverser en 2024. Décide d'être irréprochable. Protège ton cœur. Vomis le péché. Et Dieu va te visiter. Et il ne va pas seulement te visiter. Non, il va faire plus que ça. Il va t'accompagner. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous donnons sans contrainte ni regret, avec tellement de gratitude, avec tellement de reconnaissance. Nous donnons maintenant, nous donnons ce soir, convaincus et reconnaissants, conscients de la puissance du cri du sang. Les terres sataniques, démoniaques, des hôtels familiaux, territoriaux sont maudites. Nous traversons, nous prospérons. Parce que le sang a été avalé dans la terre. Et quand le sang de Jésus a été avalé dans la terre, il a piégé la terre. Tous les hôtels sataniques qui vont parler contre toi et moi, contre ICC, contre le corps de Christ, ont perdu la bataille. À condition que l'Église soit consciente et en permanence vienne devant le trône, devant la cour céleste de justice, pour dire: Père, nous réclamons justice. Ne laisse pas les méchants prospérer. Justice à cause du sang de Jésus-Christ. Et ce sang est dans ton corps. Il parle dans ton système, de la tête aux pieds. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'une santé totalement nouvelle soit constatée dans ton corps. Nous prenons notre offrande. C'est bon, on a donné les offrandes déjà. C'est bon, alors on va prendre l'offrande. Mais moi, j'ai pas envie de couper l'atmosphère pour faire un chant de louange. Je suis désolé. On est dans l'adoration. On va pas se distraire avec des chants d'offrande, avec des chansons. Continue. Non. À cause du sang, On fait notre offrande. Et puis après, on va tuer les nouveaux. Shalabara sekato kare nabara shalabaro shakane nabara Male sakana bara neza Shebala tuje male do bras kato se male Shalabara do Si Dieu t'a fait du bien, like, mets un pouce sur le direct. Mets des commentaires. Quand tu as mis le pouce, mets des cœurs. Oh, dis merci à Dieu. Pour la nouvelle alliance. Je suis le résultat d'une nouvelle alliance. Je suis sorti de l'alliance héritée de mes ancêtres. Je suis sorti à cramponner à l'alliance du sang de Jésus. Je ne vais pas disgracier le sang de Jésus. Je vais honorer le sang de Jésus. Oh, merci. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande juste d'avoir la bonne volonté, d'avoir la soif. C'est sa capacité en toi qui fera la différence. Oh ma gatas que la barando chate, moi je fais mon offrande en ligne. Et marando chke baro dosse marena, rane chia de cabaro chite barane so. Ok marena roche da belle, rane barado ske na deuxe, chane radaboro chane gede, inabare satane barose, imarando pari la baroche. Ibereza do belenoti, chandebelo shada de lode, andato de cano sebe. Alors je sais qu'il y a plusieurs témoignages, mettez le numéro de témoignage, je sais qu'il y en a plusieurs. Et si Dieu t'a visité déjà ce matin, non, pas si. Pour ceux que Dieu a visité déjà ce matin, je voudrais que vous veniez devant voir les pasteurs, vous allez voir la pomme. Pour donner votre témoignage,
Oh bien-aimé, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. It's a new season for you. It's a new season for you. Parande koti para sheta keno. Raparena shkade la bare. Rena dos kerema. Thank you, Father. Oh Lord, we thank you. Tout ce que tu fais en nous, de nous, par nous. Merci. Pour la grâce que tu as relâchée et que par notre offrande, tu nous permets de conserver. Merci. Nous nous attendons à toi pour tout le reste de la journée, pour la soirée de ce soir. Nous avons besoin de toi. Une journée de bout en bout avec toi. Conquis et conduite par l'Esprit. We wait on you. We thank you. In Jesus' name. Amen. Là où tu es connecté au son de ma voix, avant que je n'accueille les nouveaux, je m'adresse à toi. Tu as entendu ce culte. Peut-être que tu as pris la Sainte-Seine. Mais au-dedans de toi, tu veux prendre l'engagement de marcher avec Jésus. Tu ne veux pas attendre minuit. Tu ne veux pas attendre demain. Parmi tes bonnes résolutions de 2024, tu veux marcher avec Dieu. Tu veux être le vrai toi. Tu veux manifester ta vraie dimension. Pas celle d'un esclave du péché, mais celle d'un dominateur du péché. Et c'est d'être une lumière qui brille dans ton époque et dans ta génération. Et tu dis, pasteur Ivan, je veux cette vie dont vous parlez. Je ne l'ai pas, je la veux. Comment on fait? C'est simple. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut que Jésus prenne les rênes de ta vie. Qu'il devienne ton sauveur et ton Seigneur. Veux-tu faire de ce Jésus dès aujourd'hui ton Seigneur et ton Sauveur? Si c'est ton cas, où que tu sois, viens devant. C'est ton jour de salut. Il n'y a pas meilleur jour pour donner sa vie à Jésus que quasiment le premier jour de l'année. C'est le moment pour toi. Viens à la maison. Le Père t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Viens vite. Lève-toi. Lève-toi et viens vite devant. Ne regarde ni à gauche ni à droite, depuis la mezzanine et sur les allées. Levons-nous tous, levons-nous tous, levons-nous tous, levons-nous tous. Ouais. Il faut aider nos frères et nos sœurs à répondre à cet appel. Viens devant, voilà, en te levant, ils n'ont pas l'impression d'être remarqués. Alors viens devant, il n'y a pas meilleur jour pour marcher avec Jésus qu'aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur jour. Ce que Dieu a fait, si tu as reçu ces prières qui ont été relâchées, tu as intérêt à être dans l'alliance du sang de Jésus. Tu as intérêt à être dans l'alliance du sang de Jésus. C'est l'alliance qui va parler pour toi. Sans cette alliance, si tu n'es pas en Christ, tu n'as aucune protection, tu n'as aucune sécurité. La sécurité se trouve en Jésus. À cause du sang de... À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause Il s'est fait, acclame Dieu, bénis Dieu. À cause du sang de Jésus. À cause À cause, acclame-le pour nos frères et nos sœurs. Il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est le jour de revenir à la maison. À cause. À cause. À cause. À cause. À cause. À cause. Wow, thank you, Father, thank you. Tendons la main vers eux, tendons la main vers nos bien-aimés. Famille Impaxon chrétienne, tendons la main vers eux. Père, nous recommandons nos frères et nos sœurs entre tes mains. Seigneur, mets ta main sur eux. Ils ont dit oui. Ils ont la volonté, mais n'ont pas la capacité. Relâche la capacité en eux. Donne-leur de t'aimer, de te connaître, de te désirer. Merci pour les libérations que tu as effectuées sur leur vie. Cache-les dans le sang de Jésus.
que tout ce qui les combattait, qui les retenait, tous ces esprits cachés, voient leur emprise sur eux brisée dans le nom de Jésus. Donne-leur de la vitesse. Et là où tu nous conduis, sur le chemin de la romance et de la connaissance et de la communion avec toi, conduis-les également. Parce qu'ils donnent leur vie à Jésus le 31, à quelques heures du réveillon. Je demande pour eux, Père, une bénédiction amplifiée, une grâce multipliée. Arrose-les. Merci pour ta main sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Alors, vous savez, je parlais avec Pasteur Dina hier, qui a fait la modération tout à l'heure. Moi, je ne me souviens pas du jour où je suis venu au Seigneur. Je me souviens que c'était un jour de septembre 95. J'ai donné ma vie à Jésus. Je ne me rappelle pas du jour. Et je parlais avec Dina, ma fille. Elle me disait qu'elle a donné sa vie à Jésus le 31 décembre. C'est facile de se souvenir parce qu'on ne peut pas rater ça. Donc, je vous envie, en fait. Parce que moi, j'ai oublié, mais vous, vous allez vous souvenir. J'ai donné ma vie à Jésus le 31 décembre. On ne peut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est un nouveau départ pour vous. Vous, 2024 sera une année, comme vous avez dit, bonne année. Ce n'est pas un souhait, c'est une déclaration. C'est une vraie bonne année qui va commencer pour vous. La main du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Alors nous avons nos conseillers qui sont là et ils voudraient vous recevoir juste pendant quelques minutes, prendre vos coordonnées. Quand on a fait cette prière pour la première fois, on ne peut pas vous laisser tout seul. Il faut qu'on vous tienne par la main pour vous apprendre à connaître ce Jésus-là qu'on a connu. Je vous assure, il est extraordinaire. Non, vous allez voir, c'est le ciel sur la terre. Jésus, c'est le ciel sur la terre. Du coup, quand tu as Jésus, tu peux poser d'aller au ciel. Parce que tu vis le ciel sur la terre. Amen. Alors, on vous demande juste de suivre nos conseillers sur ma gauche, donc à votre droite. Et puis, on va vous emmener dans une salle. On va prendre vos coordonnées. Et le soir, à 20h, on est tous là, ça va être compliqué. Donc je vous préviens, c'est très très compliqué. Le site va être saturé. Donc si vous êtes sage, dès 18h, vous êtes là. Et même il est possible qu'à 18h, il y ait déjà des gens. Mais on ouvre l'auditorium à 18h30. Donc c'est pas la peine de laisser les affaires par la foi. Si tu laisses par la foi, quelqu'un va penser aussi par la foi. Acclamons Jésus pour eux, acclamons Jésus pour eux. Alors, beaucoup ont reçu, si vous êtes membre de la famille Impact Centre Chrétien, vous avez reçu un QR code, un message avec un QR code. On va l'exiger pour ceux qui viennent ce soir, dès 18h30 qu'on va ouvrir, on va demander le QR code. Parce que tout le monde veut, enfin pas tout le monde, beaucoup veulent venir. On va quand même privilégier, déjà que la famille est grande, déjà chacun d'entre nous, quand tu comptes les enfants, la femme, pour ceux qui sont mariés, les neveux, les cousins, les cousines, si c'est ICC, on te laisse rentrer. Mais si ce n'est pas ICC, on va te dire d'abord d'attendre. Donc vraiment, soyez là, s'il vous plaît, famille ICC, et puis on s'attend à Dieu ce soir. Ça va être une magnifique célébration, et on va passer l'année en prière. Amen. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, on veut accueillir. Ce culte est un peu long, mais il n'est pas long. On veut accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Juste chanter un chant pour vous. Si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous tenir debout. If you are here for the first time, please stand on your feet so we can welcome you. Votre première fois sur la mezzanine. Ça va sur la mezzanine? Ça va sur la mezzanine? Moi, je suis en train vraiment... Je suis en train de prier Dieu pour pouvoir un jour faire le culte depuis la mezzanine, mais dans l'incognito, sans être harcelé. Donc si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous tenir debout. On a un chant spécial juste pour vous. If you are here for the first time, we have a song just for you. We want to praise God for you. So stand on your feet.
E se te qui per la prima volta, per favore, alzatevi affinché noi la Chiesa vi possiamo accogliere e benirvi nel nome di Gesù. Amen. ICC, est-ce qu'on peut se tenir debout et bénir le Seigneur pour nos invités? ICC, are you ready? Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? Levez le drapeau, on y va. Où ça? À un parc sans chrétien. Ils n'ont pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bienvenue. Où ça? À un parc sans chrétien. 1, 2, 3, on y va. Seigneur, nous savons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Avec moi, waouh! On approche de la fin d'une année. Hey, mon frère, tu sais que tu es un vrai survivant. Hein? L'année que tu as connue, là, avec les humiliations, les souffrances, les brisements. Bon, on parle peut-être pas à toi, mais je dis qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit: hey, pasteur, tu parles à quelqu'un. You're talking to me, tu parles à moi. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, nous voulons te dire merci. Inclinons la tête. Alors, je vais juste, avant de prier pour la fin de ce culte, dire que après la soirée du réveillon, donc quand on aura fini la prière, après minuit, après 2 heures, je ne sais pas c'est quand, il y a encore des places qui restent, parce qu'il y a un after, il y a un after pour les jeunes, c'est complet, oui ben il y a un after quand même, donc il y a un after pour les jeunes, et puis il y a l'after pour les moins jeunes. Hein? Voilà. Bon, la vérité, c'est juste une question de portefeuille. Parce que y a à la salle Diamant, il y a un magnifique repas, tout compris. Et il y a encore des places. Donc, entre nous, on y sera. Pour une fois que je ne vais pas aller dormir, je vais aller prendre le temps de la communion fraternelle. Voilà. Donc, on ne donne pas les prix sur la chair. Mais, vous vous débrouillez. Ils ont l'info comment, bébé? Ils ont l'info comment? Ils ont l'info comment? Comment ils font? Ils se renseignent où? Bon, débrouillez-vous. Mais vous avez reçu un message normalement. Vous avez reçu un message. Si tu n'as pas reçu le message, va mettre ton adresse mail et inscris-toi dans la base d'Impact Centre Chrétien, tu reçois les messages. Sur les écrans dans le hall, c'est ça. Sur les écrans dans le hall. Waouh. Prions pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Seigneur, merci. Père, aucune parole ne peut suffire à te dire merci. Merci pour les témoignages qui vont suivre ce culte. Merci pour les miracles, les délivrances, les guérisons. Ah, Père, il n'y a personne qui est dans cette maison. Il n'y a personne qui est connecté à cette fréquence qui ne sera pas localisé par le cri du sang de Jésus. Merci pour un nouveau départ, une nouvelle conscience. Un nouveau cœur, un désir d'être à toi. Oui, nous voulons te servir. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui va nous empêcher d'être tout entier à toi et de manifester la destinée glorieuse que tu nous as préparée. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. Merci pour les nouveaux-nés dans le Seigneur, dans la foi. Merci pour cette journée. Être debout en vie, un 31 décembre 2023, ça n'a rien d'une évidence. C'est le fruit de ta grâce. Béni soit le Père des grâces et le Père des miséricordes. Nous recommandons le reste de la journée. Nous te supplions de nous faire grâce de vivre un week-end gouverné par l'Esprit. Nous nous attendons à toi en priant
de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre expérience, maintenant, jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Excellente journée, bon appétit. Et on se voit tout à l'heure pour ceux qui seront là tout à l'heure. Si tu n'es pas là tout à l'heure, on te remercie d'avance. Ça va laisser des places pour d'autres. Saluons-nous les uns et les autres. Dis à cette personne, ta vie a changé totalement. Cette personne. Au nom de Jésus.